Bonsoir à tous. Nous sommes réunis bonsoir ce soir pour le ma foi le 12e ou le 13e épisode, on sait plus trop, de cette campagne Cthulhu. Récapitulatif des épisodes précédents, après avoir déjà récupéré un certain nombre de morceaux du simulacre de Sedefkar depuis le début de la campagne, nos six enquêteurs ont réussi après être passé par Milan, par Paris, etc. à Venise, ont réussi à récupérer la jambe droite, si ma mémoire est bonne, du fameux simulacre. Gauche, c'est la gauche, pardon. Donc la jambe gauche qui était devenue, au fil d'une série d'événements divers et variés, avait servi à... Ah, nous avons un problème sur le Let's Roll. Enfin, en tout cas, moi j'ai un problème sur le Let's Roll. Non, c'est arrivé. Ouais. Ça y est, c'est bon, c'est revenu. La jambe gauche avait servi à réparer des automates au milieu d'un campanile, lui-même au milieu de Venise. Nos joueurs ont réussi, après avoir payé cher la montée dans le campanile, après avoir vu une étrange créature s'éloigner à tire-d'aile sous forme de chauve-souris du campanile dans l'orage, à récupérer la jambe après avoir failli se faire broyer par les autres automates, comme affolés par ce qui était en train de se passer. Et alors, par rapport à Milan, cette fois-ci, vous n'êtes quand même pas parti complètement en catastrophe, mais effectivement, vous avez décidé de vous diriger rapidement vers la gare de Venise pour fuir une ville où l'atmosphère était, il faut bien dire, dégueulasse depuis votre arrivée, avec ces espèces de lentes marées noires qui remontaient de plus en plus, avec ces espèces d'atmosphères où on avait l'impression qu'un serial killer insaisissable se trimbalait et tuait littéralement tout le monde, ouais, à travers la ville, en laissant des corps exsangues derrière lui, au fond des gondoles et au fond des canaux. Ce que vous avez réussi à Venise fait que la situation va s'améliorer petit à petit, comme elle s'est améliorée à Milan après votre départ. Et vous avez pris le train pour l'étape suivante de votre voyage. Rappelez-vous, hein, le professeur Smith vous avait confié toute une liste de villes. La prochaine n'est pas très loin de Venise, c'est Trieste, qui est de l'autre côté de l'Adriatique. Venise est située sur la rive ouest de l'Adriatique. Trieste est littéralement en face, de l'autre côté, donc à l'est, un petit peu au sud-ouest de Ljubljana, grosso modo à l'ouest de Zagreb. Vous tirez une ligne droite à partir de Zagreb et attendez, bah, je vais vous faire un ping. Pour ceux qui regardent la carte, Trieste est ici. C'est logiquement un voyage qui est assez court entre Venise et Trieste, mais pour les besoins du scénario, il se trouve qu'une panne subite va abîmer la locomotive et que vous n'arriverez donc qu'en fin de journée suivante, le 31 janvier 1923, vous arrivez donc en gare de Trieste. La gare de Trieste, à l'époque, est pas très loin du port, elle est connectée au port de Trieste, puisque Trieste est, qui compte à peu près, c'est une grosse ville, hein, en 1923. C'était un des anciens grands ports de l'Autriche-Hongrie, Trieste, et c'est une des rares prises de l'Italie pendant la Première Guerre mondiale. En 1920, je crois, le traité de Versailles a accordé la ville de Trieste et ses alentours à l'Italie. Trieste, en 1923, c'est une drôle de ville, parce que c'est une ville qui a été slave pendant très longtemps, et c'est une ville que les Italiens avaient toujours voulu récupérer. Ils l'ont récupérée, et les fascistes sont arrivés au pouvoir depuis quelques mois, encore une fois, en Italie. Et ils y mettent énormément d'enjeux à Trieste, qui est en... Donc c'est, encore une fois, c'est un des grands ports commerciaux de Méditerranée. C'est un port, c'est surtout un immense port et une zone industrielle autour, une zone commerciale, et c'est une ville qui est en pleine italianisation forcée, c'est-à-dire que c'est une ville qui a longtemps été des fleurons de l'Autriche-Hongrie, mais de culture slave, et petit à petit l'Italie était déjà en train d'effacer ça depuis qu'elle l'a récupéré en 1920. Évidemment, l'arrivée des fascistes n'a pas calmé le jeu, au contraire. Donc, c'est une ville où on est en... Voilà, petit à petit, on rebaptise, on transforme, on romanise les noms des lieux, même les noms de famille. Commence à perdre leur origine slave pour prendre des noms. Par exemple, le village de Postonia, qui n'est pas très très loin de, qui est pas très loin de du centre de Trieste, c'est rebaptisé Postumia. Vous voyez, c'est à chaque fois ce genre de truc qu'on passe au nom italien des choses. Voilà, c'est vraiment un des gros ports. Hein. C'est 8 millions de tonnes de marchandises par an, ce qui est énorme pour l'époque. C'est aussi la région du. Une,
d'une chaîne montagneuse qui s'appelle le Karst, et qui a donné son nom d'ailleurs à la roche qui s'appelle le Karst. Donc c'est vraiment une zone tout autour de la ville, donc une ville portuaire qui est à l'ombre d'une grande montagne au sommet duquel il y a un fort, le Castello. Et au bas de ce Monte Giusto, il y a toute la ville qui s'étend à la fois sur le bord de l'Adriatique et puis sur l'arrière du Monte Giusto. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur la ville? Vous allez y arriver par un long tunnel de 400 mètres à peu près qui traverse la colline, qui s'appelle la Galleria della Montuzza, qui est un petit chef-d'œuvre d'ingénierie et technologie. Voilà, c'est une ville ça rappelle un peu Pompéi d'ailleurs, vraiment cette ville à l'abri d'une immense montagne, une grande montagne, qui n'est pas un volcan en l'occurrence. Et c'est une région tout autour qui est une région un petit peu de très haute terre, avec des ruisseaux, des cavernes, mais des ruisseaux qui font pas forcément... C'est des ruisseaux qui peuvent disparaître entre les collines. C'est bourré aussi de dolines, vous savez, c'est des choses qui ressemblent un peu à des cratères de bombes et qui peuvent s'effondrer sous le pas. Voilà, c'est un paysage très accidenté, très risqué aussi. On se promène pas là-bas comme on se promène sur un sentier de moyenne montagne en France. C'est une zone assez dangereuse. C'est là que vous arrivez. Donc, par le train qui arrive à 19h30 à peu près le soir du 31 janvier 1923, et j'en profite juste et après on va attaquer pour dire que c'est assez amusant, on l'avait pas vu, mais nous sommes très exactement 100 ans après aujourd'hui dans la vraie vie, en 2023, nous sommes très exactement maintenant 100 ans après l'intrigue de cette campagne. Et voilà. Et Fitz, dans le chat, que assez tristement, on peut dire encore aujourd'hui que les fascistes arrivaient au pouvoir en Italie. Oui, c'est ça. L'histoire, bégaye, tout ça. Vous arrivez. On va lui donner des petits cours d'orthophonie, hein ? Ça suffit. Faut pas bégayer, madame. Faut continuer. Vous arrivez donc avec un retard d'une bonne demi-journée, même plus, puisque vous arrivez en fin de journée. Vous auriez dû arriver à peu près vers 10-11 heures du matin. L'Orient Express se range dans la gare de Trieste autour de 20h, un petit peu avant 20h. Vous avez eu le temps de vous récupérer un petit peu. Le contretemps de cette machine qui a cassé vous a permis de récupérer tous un point de santé mentale là. Oula, que je vous laisse remettre. Attends, il y a dit combien ? Profitez-en, hein. Un seul, on va se calmer. J'ai compris 12, je suis désolé. Oui, 12, bien sûr, oui. Ça y est, le MJ est fou. Non, mais... Donc un seul. Non, mais j'avais déjà... tout, en fait. Ce perso n'est pas encore cassé. Oh, donne-moi 3 minutes. La première chose que vous voyez quand vous ouvrez les portes du train, c'est que vous vous faites cueillir par un vent littéralement incroyable. C'est-à-dire que c'est je vais vous faire quand vous allez vous balader quand vous descendez sur le quai, vous allez tous commencer par me faire un jet de force. C'est un vent littéralement à décorner les bœufs. Et le premier contact que vous allez avoir avec Trieste, c'est ça, des bourrasques qui vous cueillent. C'est parti, on va chez moi. Je protège une de ces dames de mes larges épaules. Est-ce que vous pouvez juste me dire si mes dilets sont partis? Je vais te faire un échec. Ah bon? Attends, parce que j'arrive pas à lancer chez moi, ça ne marche pas. Est-ce que t'as pas mis seulement GM non, only mais ton... Non, mais rien qui... Attends. Recharge moi, j'ai la page parce que nous, il a ouais, parce que... tout à l'heure. Moi, j'ai rien qui s'affiche et personne, donc je relance, excusez-moi. Ouais. Fais juste un rafraîchissement, je pense un F5, ça devrait suffire. Oui, bah, ça, oui. Alors, qui s'est planté? Lady Prudence, j'ai vu un bel échec critique. C'est un très beau sang. Ouais, mais magnifique. Elle s'est abritée derrière moi, depuis, comme j'ai fait une réussite majeure. Non, elle s'est pas abritée derrière toi, t'as non. pas eu le temps. Moi, j'ai... Écoute, malgré mes 35 en force et le fait que je ressemble à une espèce de truc physique... qui va tomber dans les pommes, j'ai réussi. Ouais, c'est ton côté Valentin Désossé, ça. Tu t'en sors, effectivement. Lady Prudence, par contre, bah, tu vas découvrir une invention propre à Trieste. Avoir les jupes par-dessus la tête. Tout ça est vrai. Il y a des chaînes qui pendent un petit peu partout. Depuis le sommet, voilà, des marquises ou des chaînaux. Mmh. Ces chaînes dont vous vous demandez, vous savez, c'est un peu comme ces chaînes qui sont censées guider la pluie là dans des seaux. Et ben c'est un peu la même chose, sauf que c'est fait pour résister au vent et pour qu'on puisse s'agripper en cas justement de bourrasque. Tu vas me faire un jet sur quoi? Tu vas me faire un jet sur sans de quoi? C'est la Dex, ça. Tu vas me faire un jet de Dex.
Alors, il y a Dex, je m'attends à 45, tout va bien se passer. Non. Oh là 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 là. Lady Prudence a mis exactement 10 minutes à me fatiguer. Écoute, d'un geste à la fois souple et sûr, tu réussis malgré cette bourrasque qui a vraiment failli t'envoyer par terre au moment où tu sortais, tu réussis à agripper par miracle cette chaîne et la grippe avait tellement de classe qu'écoute, franchement, il fallait avoir cligné des yeux au mauvais moment. Voilà, c'est vraiment impressionnant ce rétablissement que tu viens de nous faire. Ce qui fait... Je suis une lady, c'est pour ça. Ouais, oui, c'est exactement ça. C'est vraiment le rétablissement de lady. Ferme, en fait. Je suis pas tombé de cheval parce que j'ai réussi à passer par en dessous et à remonter de l'autre côté. Exactement ça. C'est ce que tu viens de faire. Cela dit, même si du coup... vous avez tous réussi sauf Lady Prudence, hein. Non, j'ai raté. Eh ben écoute, tu me fais aussi un jet de Dex sur le même truc. Mon dieu. Mais ça va aller. Ben voilà. Mais voilà. Décidément, vraiment, mais c'est contaminé par l'exemple de Lady Prudence. Écoute, on avait fini le scénario très très souple la dernière séance. Il y a beaucoup de souplesse. C'est exactement ça. Donc effectivement, c'est bien la 13e partie, je pense. Vous vous en tirez bien. Et il faut croire que par une espèce de mimétisme musculaire, tu reproduis exactement le même mouvement de hanche de Lady Prudence. Et avec une élégance de torero, tu réussis à attraper la même chaîne et à t'en sortir les fesses propres. Ce qui ne vous empêche pas d'en prendre plein la figure. Parce que vous aviez pourtant remis vos manteaux. On sait que Trieste, en janvier, il peut faire froid. Le vent qui souffle sur ce quai de gare vraiment vous transperce. Vous voyez passer des saletés, des brindilles, hein, des morceaux de journaux, des déchets, des pelures qui vous passent à travers. Et c'est vraiment une lutte pour arriver finalement au centre de la gare, pour enfin entrer dans une zone abritée. Et même encore là, tout résonne, tout vibre. Vous sentez la grande structure de fer qui est la gare de Trieste, qui vibre de toute la force du vent, de cette espèce de tempête qui règne. Et là, vous voyez quelques porteurs qui étaient soigneusement restés à l'intérieur et qui n'avaient pas la moindre envie de sortir vous rejoindre sur le quai, qui vous attendent, bien emmitouflés, bien boutonnés, et qui vous aident à finir de porter les bagages pour atteindre la salle d'attente. Ce que vous venez de sentir, c'est ce qu'on appelle la bora. C'est un vent qui ne souffle que dans cette zone-là, au sud de la Lituanie. Et c'est un vent, c'est un phénomène courant hein, dans la région, encore aujourd'hui. Mais là, honnêtement, on est sur une bora d'une puissance, Bewera, d'une puissance comme vous n'en... Enfin, voilà, tout le monde a l'air impressionné. Et vous allez devoir aller à l'hôtel que vous allez me choisir, qui sera, comme d'habitude, j'imagine, un hôtel de luxe, vu votre profil financier. Hors de question, évidemment, de prendre une voiture à cheval. Il n'y a pas un taxi à cheval qui... Enfin, voilà, il n'y a pas un maître de canasson, même le plus cruel, qui oserait sortir avec son cheval dans les rues par ce temps. Voilà, que faites-vous? Sachant qu'encore une fois, vous arrivez le soir. On va chercher un resto pour manger un vin. On va d'abord chercher un hôtel où être... qui sera à la mesure de ce que nous sommes. Oui, bah, chercher une église pour prier. Ouais, non, mais on va pas prier. Écoutez, on va pas aller prier à cette heure-ci, là. Vous allez je le regarde en clignant vaguement des paupières. Est-ce que une bénédicité avant le repas, avant le gueuleton qu'on va se faire, peut servir de prière, mon père? Bon oui. Cours, jeune homme. Bon, je. Là, je me suis plongée dans une brochure que j'ai trouvée à bord du train. Et alors, bon, c'est une brochure qui est tombée dans une faille d'espace-temps. Mais il y en a un qui a l'air de s'appeler Savoya Excelsior, qui a l'air vraiment pas mal. Tout à fait, je l'ai sous les yeux, effectivement. Vous aussi, cher ami? Oui, tout à fait. Vous avez tapé Hôtel de Luxe Trieste. Exactement, 1920. Ça crée des liens de se retrouver accroché à la même chaîne. Ça veut dire que moi je vais récupérer la dame accrochée à sa chaîne, la prendre prendre son bras et nous diriger vers un hôtel. Parce que bon, et si Kubeni souhaite aller dans une église, quand bien lui fasse. Mais d'abord, se mettre au chaud.
Sur le trajet qui vous emmène à... Tu m'as dit que c'était comment il s'appelait, l'Excelsior ? L'Excelsior. Ouais, sur le trajet qui vous emmène à l'Excelsior, dans plusieurs voitures, hein, vous ne tenez pas tous comme à Venise, vous avez vos bagages, vous avez notamment ce bagage sur mesure plombé qui abrite ce que vous avez déjà récupéré, et qui commence quand même à ressembler à quelque chose du simulacre de CDFK. Vous êtes frappé, encore une fois, par les hurlements de la Bora, qui est vraiment un truc... Enfin voilà, vous voyez personne dans les rues, et les rares passants qui raclent les murs pour essayer de se protéger au moins d'un côté. Vous en voyez qui hésitent vraiment au moment de tourner le coin de la rue pour se le prendre en pleine face. Et vous finissez effectivement par arriver à l'Excelsior. Il est déjà bien 8h30 à ce moment-là. C'est évidemment un grand hôtel de luxe. Sur la route, vous avez juste vu quelque chose. Les seuls groupes que vous voyez encore à peu près dehors, c'est tous des chemises noires, patrouilles, de 4 à 5 types qui n'ont pas l'air forcément d'être les couteaux les plus affûtés du tiroir. Ouais, mais ça fendrait le cœur de Magdalena. Ça fendrait sans doute le cœur de Magdalena, ouais. Si elle en avait encore un, s'il n'avait pas explosé sous les balles, ça lui fendrait sans doute quelque chose. Vous voyez, voilà, ces espèces de troupes qui se mettent dans... Vous les voyez sous les porches, vous les voyez à l'abri. Ils essayent tant qu'ils peuvent de s'abriter eux-mêmes, de la Bora, mais ils sont là, et ils sont bien là, et ils sont partout. Ils sont nombreux. Voilà, c'est une ville, encore une fois, où le pouvoir fasciste envoie absolument tout ce qu'il peut pour... forcer l'italianisation d'une ville qui, encore une fois, n'est pas une ville de culture italienne, qui était austro-hongroise depuis des générations et qui est devenue italienne il y a à peine 3 ans. Vous arrivez donc à l'Excelsior, on vous accueille comme on vous accueille dans un grand hôtel. C'est pas du tout le poids que vous avez senti à Venise. Là, on est dans... Voilà, il y a évidemment un poids. Vous l'avez vu, encore une fois, ces bandes de nervis en chemise noire un petit peu partout qui sont les seuls à surveiller ce qui se passe dans la rue. Vous en avez vu, par exemple, qui repeignaient des plaques de rue pour les transporter, pour manifestement passer le nom dans la langue italienne. Voilà, vous avez vu un certain nombre de choses. Mais en dehors de ça, l'accueil n'est pas du tout inquiet ou paranoïaque comme il a pu l'être à Venise. Vous êtes accueilli comme vous devez l'être dans un hôtel de luxe. Vous êtes fatigué. Vous avez passé la journée dans le train. Que faites-vous, sachant que la Bora souffle, et c'est vraiment infernal. Tenir debout dehors est compliqué. Chers amis, les émotions qu'on a vécues récemment, je me souviens plus quel morceau on cherche. Je peux répondre à la question. C'est vrai qu'on pourrait vous chercher. Oui, on est là pour ça. Oui. Moi, je peux pas vous répondre parce que je suis parti à la cathédrale. Mais si vous voulez, j'ai regardé ça il y a un instant. Nous cherchons un morceau, mais on ne sait pas lequel, mais on est censé retrouver Johann Winckelmann. C'est un contact qui nous a été donné. Ouais, c'est exactement ça. Ah oui. C'est ça. Voilà. Cette fois-ci, Smith ne vous avait pas donné un descriptif exact. La pièce que vous cherchez, vous ne savez pas quel morceau c'est. Par contre, effectivement, ce qu'il vous avait laissé, c'est un nom. Et ce nom, c'est Johann Winckelmann. Et on n'en sait pas plus à ma connaissance. Non, c'est votre seul indice à ce stade. Bien en Italie. Hein. Mais ça va, il n'y a que 250 000 habitants à Trieste. On prend les pages jaunes, blanches. Je suis effectivement parti à la cathédrale. Ou à la première église que je trouve d'ailleurs. Ouais, comme d'habitude, tu vas en trouver une à tous les coins de rue, donc ça c'est pas un problème. Et tu as un but précis là dans ton église? Non, passer la soirée à prier, j'ai besoin de me remettre de ce qui s'est passé au campanile et je me déplace avec difficulté vu la boîterie qui traîne maintenant. Oui, c'est vrai. Ce qui pose encore quelques petits problèmes théologicaux, éthicaux, moraux, sataniques. Voilà. Je pense que ça résume assez bien ton personnage d'avoir des problèmes éthicaux, religieux. Johann Winckelmann, donc c'était vraiment le nom qu'il y avait dans la missive de Smith. Ouais, c'est exactement ça. Ce mot, vous rappelez cette feuille froissée qu'il vous avait remise à Londres alors qu'il était brûlé et allongé dans son lit. Le professeur Smith vous avait effectivement confié ce papier, et ce papier citait effectivement Johann Winckelmann. C'est votre seul indice à Trieste. Ça, et le fait qu'il vous a dit qu'il y avait un morceau de la statue était là. C'est un nom qui nous disait quelque chose de base ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Okay. Eh ben, trouvons un annuaire. Alors, encore une fois, là, il est tard,
Oui, vraiment, on va aller se poser dans cet hôtel, voilà, calmez-vous. Ok. Moi, je propose, mesdames, surtout que je ne voudrais pas que on soit renversé par ce vent et qu'il nous arrive quoi que ce soit. Je vous propose de nous poser à l'hôtel et de commander tout d'abord des boissons et de nous restaurer. Et puis, dans les hôtels, il y a toujours quelqu'un qui connaît un peu tout. C'est surtout que si je pouvais aller au bar de l'hôtel prendre un whisky, je ne cracherais pas dessus. Ah. Ok, donc vous allez passer une soirée tranquille de récupération, c'est ça ? Oui, après on peut demander au à l'hôtelier, donc au mec qui gère l'hôtel, au tavernier, au personnel de l'hôtel, si jamais ils connaissent un Danny Winkleman. Déjà, vous allez commencer par tous me récupérer, puisque vous faites une soirée à peu près tranquille. Vous allez me récupérer un point de vie, tous. En tout cas, ceux qui en ont perdu, évidemment, hein, vous remontez jamais au-dessus de votre niveau de départ. Eh oui. Ouais, c'est ballot, hein. Mais j'en connais un, par exemple, je crois que c'est Alexei qui a quand même été seulement touché à Milan. Disons que voilà, la cicatrisation, ton excellente condition physique et ton naturel heureux font que tu récupères tout de même un point de santé en dépit de cette blessure. Et idem pour Lady Prudence, idem pour frère Raymond qui dans le secours de Dieu va trouver le même réconfort que vous en train de piller des whisky à l'hôtel. Le même messie. Voilà, vous récupérez tous un point de vie quoi, en gros. Je pourrais faire pour en récupérer plus, genre vraiment comment me reposer ou rester loin de la vodka et des jeux de mots pourris pendant. Je vous ai déjà lâché un point de santé mentale et un point de physique. Est-ce que vous voulez vraiment que je m'énerve? Moi, je veux dire juste à Céline que je n'ai rien demandé. C'est ça. Voilà. Je relis juste mes notes et je précise qu'on a un autre indice en fait. On ne sait pas quel morceau c'est, mais on sait qu'il est arrivé aussi à l'époque napoléonienne. Exactement. Exactement, comme en fait. Comme le fragment de Venise. Ouais, exactement, comme le fragment de Venise. Ce qui est logique, hein. Encore une fois, Venise et Trieste ne sont pas très loin, et les Français de Napoléon étaient effectivement allés dans les deux villes. Donc vous avez ces deux indices-là. Quand vous posez la question autour de vous dans l'hôtel, hein, pour le nom Winkleman. Il est au musée de toute façon. Ça, on le sait aussi. Ok. Ouais, c'est effectivement ce qu'on vous répond. La personne qui vous répond, qui est un des serveurs, enfin le maître de, enfin le chef de salle qui vous sert, quand vous le sollicitez, vous répond effectivement qu'on peut trouver Winkleman dans un musée qui est le Museo d'Historia e d'Arte, le musée d'histoire d'art et d'art, qui est un des plus gros musées de Trieste. Quand vous qui vous répond, vous sentez vaguement un sourire un peu amusé qui lui vient, mais en tout cas, voilà, il vous dit effectivement que Winkleman peut être trouvé au Museo di Storia e d'Arte. Bon, ok. Mais il ouvre à quelle heure ce musée ? Donne-moi une seconde. Il ouvre à 10h. Il peut être trouvé, mais ça sent le vieux truc à la noix, quoi. Genre, pour se trouver une personne, ça va être un. je vois bien le truc. Je vois bien le truc. Je sais pas pourquoi, mais pas quelqu'un de vivant, en fait. Bon. Quelle positivité. Nous avons été confrontés à la mort, mon frère, plus que nous aurions. De toute façon. Non, mais tu vas quand même rentrer un moment, mais. Mais effectivement, frère, je sais pas si vous m'entendez. Que faites-vous, sachant que voilà, vous avez votre premier indice pour comme point de départ, vous avez refait le point sur ce que vous cherchez, sur le fait que vous n'êtes pas en terrain inconnu, encore une fois, vous êtes dans la continuité de cette avancée française en Italie au début du 19e, à la fin du 18e, au début du 19e. Que faites-vous ? Est-ce que c'est une ville qui brûle facilement ? Il y a du vent ? Et ça, pour y avoir du vent, il y a du vent, oui. Est-ce que tout est en bois, à part cet hôtel ? Non, c'est plutôt une ville de pierre, Trieste. Ah, caramba.
Est-ce que tu nous as parlé d'une forte présence de... Des chemises noires. Des miliciens, en fait. Ouais, c'est ça, des miliciens. Est-ce que ça brûle, les chemises noires? Oui. Bah, allons-y. Est-ce que ils flippent les déplacements des gens? Ou est-ce que, bon, voilà, on sent qu'ils sont là, mais... C'est pas... Enfin, votre... les étrangers sont pas particulièrement appréciés par les chemises noires. Mais leur première cible, c'est clairement par vous. Hein. Les premières cibles des chemises noires à Trieste, à cette époque, en janvier, là, c'est les habitants eux-mêmes, en fait. À peu près... C'est une ville très cosmopolite, Trieste, comme beaucoup de ports, comme Marseille, comme Venise. C'est une ville où il y a beaucoup de passages. Mais les habitants de Trieste sont en majorité des Slaves. Et clairement, les chemises noires sont là pour faire comprendre qui c'est le patron, quoi. Donc c'est la violence habituelle de ces petites brutes qui courent les rues pour bien faire comprendre à tout le monde, voilà, qu'il y a un nouveau shérif en ville, quoi, et qui le montre par absolument tous les moyens possibles. Ça va des statues qu'on abat, ça va des noms de rues, ça va de la, voilà, du fait qu'on redonne des noms italianisés à absolument tout. Ça, voilà, les états civils ont tendance à pousser pour que les habitants de Trieste changent de nom. Et pareil, encore une fois, italianise leur nom. Donc c'est une pression, mais c'est pas vous la première cible. Après, honnêtement, vous êtes d'une classe sociale qui fait qu'on vous emmerde pas en premier. Par contre, vous êtes aussi d'une classe sociale qui fait qu'une chemise noire basique vous aime pas d'entrée. Vous êtes sort. Ça tombe bien, on les aime pas non plus, en fait. Mais je pense que voilà, chacun sait à peu près où, à quoi s'en tenir sur la vie. Mais voilà, y a pas d'agression. De leur part, c'est une pour le moment, en tout cas, c'est une opposition sourde, quoi, qui s'exprime pas, mais on vous fait bien comprendre, voilà, on vous suit du regard à chaque fois qu'on vous a vu passer dans le taxi, à chaque fois qu'on a repéré les tenues de Lady Prudence qui sentent l'Angleterre à 800 mètres, à chaque fois qu'on a vu le prêtre, et encore frère Raymond s'en sort sans doute un peu mieux que les autres. Oui, et puis moi, et je voilà, suis habitué à ce qu'ils me regardent de travers. Ouais, celui qui passe finalement peut-être le plus inaperçu, c'est Alexei, dans cette zone de l'Europe où on a quand même pas mal de blonds aux yeux bleus. Mais c'est pas un plus pour les Italiens, en l'occurrence. Hein. Donc voilà. Et Indira Devi, alors là, clairement, vous sentez un mépris, le mépris du blanc pour l'Indienne qui est impressionnant. Je leur rends bien l'appareil. Le racisme est évident et partout. J'ai les chemises noires. Voilà où vous en êtes. Inversement, encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit, il n'y a vraiment aucune hostilité du tout chez le personnel de l'hôtel qui vous accueille comme il accueille des voyageurs habitués avec des moyens et habitués au luxe. Vous êtes traité exactement comme vous pourriez l'être à Paris ou à Londres. L'avantage de notre premier indice, c'est qu'il nous permet d'aller au musée sans éveiller l'attention à partir des étrangers. Ah oui, visiter. Encore une fois, c'est... Là, vous êtes en... À part ce vent qui est honnêtement hors du commun, la ville est une ville normale. Hein. Enfin, le vent, il va pas durer non plus toute la semaine. Non, quand vous demandez autour, on vous dit que souvent, c'est... Alors là, d'accord, ce soir, là, on, tout le monde reconnaît qu'il est quand même, que c'est quand même une bora particulièrement puissante, mais pas non plus exceptionnelle en hiver. Ça fait partie des choses, ça dure 24 heures, ça se calme le lendemain, ça disparaît jamais, en fait. Il y a toujours le risque de... Il y a toujours une brise, au minimum, et chacun sait autour que le vent peut partir brutalement, mais les vieux triestins savent que le lendemain, le vent se sera sans doute calmé le matin. Mais là, c'est des hurlements, vous avez l'impression qu'il y a une troupe de banshees qui est en train de hurler à travers la ville. C'est vraiment... c'est impressionnant, tout vibre, tout souffle, quoi. C'est... Vous le voyez à travers les portes de l'hôtel, vous voyez qu'on, voilà, ces ordures qui volent en travers, ces gens qui s'accrochent à leur chapeau pour essayer de faire quelques mètres contre le cours du vent. Enfin, c'est vraiment une violence sans nom. Pour ceux qui l'ont vu, c'est la horde du contrevent, quoi. Lui. Que faites-vous alors? Vous allez vous coucher pour repartir d'un meilleur pied le lendemain? Très bien. Moi, je vais tester les UF et les différents... Les UF, un plat de polenta, oui. spécialité de Trieste. Bon, on va pas se frissonner. Et donc j'invite bien sûr tous mes compagnons à partager un moment convivial, à échanger, à discuter. Mais bon, j'ai manger des UF. Mais moi, on va manger des UF en plein ZEF, donc c'est un peu. Très bien, les UF en plein ZEF. Je pense que tu n'es pas assez malade comme ça.
Ça peut s'arranger. Et moi, j'apprécierais en fait le calme de la consommation au bar et de trouver peut-être s'il y a, je vais pas dire quelques pigeons à plumer, mais quelques personnes pour jouer un petit peu. Tu vois, me changer les idées. Ouais, sinon. Blanche, tu vas pouvoir faire ça sans problème. C'est Trieste, c'est une ville, encore une fois, une ville portuaire, une ville de passage. Tu vas trouver tout ce que tu veux pour. Tiens, bah d'ailleurs, tu vas me faire un jet de luck. Et tu te lances dans des parties de cartes. Ouais, je me lance dans des parties de cartes. Et bah, tu vas me faire un jet de chance. Il est parti ou il n'est pas parti? Je l'ai pas vu, mais j'étais sur ta feuille de perso, donc je ne sais pas s'il est passé, il est parti. J'ai rien vu. Alors attends. Ah. Je recharge, comme d'hab, parce que j'ai l'impression que ce soir, Let's Roll est un peu chouinçon. T'as vérifié si tu lançais pour toi ou pour toute la table, etc. Oui, pour tous. Bon, attends, écoute, je vais faire un descend, lancer, et puis voilà, hein, parce que j'y arrive pas là. Ça y est, on l'a vu. Voilà. C'est une réussite pour moi, c'est ça ? C'est une réussite parce que j'ai 60 en chance. Ouais, c'est ça. Ok. Donc tu vas gagner tes alors, le but, c'est de jouer dans l'hôtel, hein, si possible. C'est pas de jeter les prendre. Non, voilà. Il y a ce qu'il faut, hein, un fumoir. Alors, t'es la seule femme du fumoir à jouer. T'es la seule femme à la table de jeu. Mais bon, c'est pas une nouveauté pour toi. T'es habitué à ce regard un petit peu ambigu des hommes qui sont à la fois ravis de jouer avec une femme comme toi, à la fois un peu craintif et à la fois un peu misogyne, comme tu l'as souvent vu dans ce type de partie, mais il se trouve que c'est tu vas toujours un plaisir de les plumer. Ouais, c'est toujours un plaisir de les plumer, et non seulement tu les plumes, mais étant donné que tu m'as fait une jolie réussite, avec 34, sous ta chance qui était à quoi ? À 60. Ouais, non. Je sais pas ce que tu as comme niveau de fortune, mais tu peux considérer que t'as gagné à peu près 20% des fonds dont que tu as sur toi. Ok, tu te rappelles que j'avais beaucoup beaucoup de cash, hein. Tu m'avais permis d'avoir beaucoup de cash, moi. Ok, très bien. C'est ça. Mais donc, t'as encore plus de cash. Et que tu sors de la soirée à une heure qui te regarde, mais en laissant l'impression que tu laisses habituellement dans ce genre de salle et que tu connais bien. C'est ça. Il a commencé à se faire tard, mes enfants. Est-ce que vous allez vous coucher ? Est-ce que vous voulez faire quoi que ce soit ce soir à Trieste, sachant qu'encore une fois, le vent continue de forcir dehors. Moi, je vais sortir dehors pour un dernier cognac réchauffé avec un petit cigare. C'est à peine tenable. Hein. Ouais, mais en fait, c'est... Il va perdre un point de vie, je vais bien rigoler. Et là, tu te prends une tape dans la gueule. C'est très particulier, parce que du coup, il n'y a plus grand monde. Il y a surtout les bars, là. Votre hôtel n'est pas très loin du port. Hein. Ouais. Et c'est étonnamment désert pour un port d'une ville comme Trieste le soir. Là, vraiment, le vent a foutu tout le monde à l'intérieur. Et l'espace d'un instant, s'il n'y avait pas cette odeur de sel dans l'air marin, entre le froid et le vent violent, je vous croirais au revenu 10 ans en arrière au bord du Yémen, quand il y avait un vent de Sibérie qui soufflait sur la Bohème, et que j'étais donc dans les troupes de Son Altesse le Tsar, et c'est un des hivers les plus froids que j'ai jamais connu. Et c'était... Voilà, donc c'est un petit moment de nostalgie un peu violent. Je rentre vite, je referme et je vais me coucher. Très bien. Alors, je vous cache pas que... On sera peut-être en rentrant en train de plumer des pigeons. Ouais, il me dira quitter la soirée de fête pour aller sortir de sa chambre et passer du temps un petit peu avec son fils qui continue à suivre le voyage. Tout à fait. Il a vu tous les bâtiments cramés depuis le début. Oh bah j'imagine qu'il sent bien qu'il y a quelque chose d'anormal. Là où maman passe, les bâtiments ne repoussent pas. Les bâtiments très basses. Mes enfants, j'ai le regret de vous annoncer que vous faites une nuit de merde. Ah non. Si, le vent dégueulasse vous empêche. Oui, ça va vous coucher tôt, sauf que les volets claquent, sauf que vous entendez en permanence des choses qui frappent, voilà, les chéneaux qui claquent. Enfin, c'est vraiment... C'est les tuiles qui tombent, c'est vraiment le vent forcit encore jusqu'à au moins 3h du matin. Vous faites une vraie nuit de merde et vous vous réveillez, mais alors lessivé, fatigué. Et le sol de pierre de l'église est merdique. Ça, j'imagine, il doit être froid. Vous vous réveillez chonchon, hein, les enfants, et vous allez tous me faire un jet de constitution. Si vous le réussissez... Voilà. Si vous le réussissez, vous gardez votre point de constitution que... Okay. Bon oh, yeah, yeah. Oh,
Prudence qui était manifestement au mauvais moment, au mauvais Loupsin, endroit. C'est Prudence, c'est la fatigue. Hein. Et Indira, ouais. Et Indira qui était manifestement dans l'aile de l'hôtel pour deux, et puis frère Loupsin qui s'est endormi avec la gueule sur le bénitier en travers. Vous me faites tous une vraie nuit de merde, ce qui va vous coûter un petit point de santé, parce que de santé mentale, parce qu'en fait vous avez fait des cauchemars cette nuit, et vous avez rêvé de choses assez étranges. Vous avez rêvé de grandes créatures qui se déplacent juste sous la surface d'eau noire et profonde. C'est comme si Venise revenait à l'esprit. Vous avez rêvé de monstruosités hurlantes qui se déplacent à des vitesses à peine croyables. Vous avez rêvé d'une inquiétude totale, constante. Vous avez en fait fait une niche de petits gibiers à plumes perdus au milieu de la forêt, au milieu des marais, face à des choses qui sortent de nulle part, de l'ombre, des bosquets, des marais. Vous avez vraiment fait une nuit de merde et vous mangez donc un point de santé en moins. Ah, valait mieux jouer aux cartes. Ouais. Se coucher tout. Frère Raymond, est-ce que tu veux faire un truc particulier, sachant que ces visions qui sont venues dans la nuit peuvent t'évoquer des choses, peuvent te parler, peuvent peut-être t'inspirer quelque chose? Oh bah évidemment, quand je vais me réveiller de mon cauchemar, je vais chercher à comprendre quel message m'est envoyé. Je me suis endormi sur le sol d'une... Bien que... Il y a là un message. Ouais, ça coupe un peu quand tu parles. C'est encore audible. Est-ce que là, ça va? Ouais, là ça va, c'est parfait. Ouais, c'est parce que je m'étais mal placé. Donc je disais, je me suis endormi sur le sol d'une église, et je vais donc prendre ces cauchemars comme un message envoyé soit par Dieu, soit par les auras que j'ai touchées en attrapant la jambe de cet automate. Et donc c'est ce que je vais chercher à interpréter, bien entendu. Donc est-ce que si tout cela m'évoque quelque chose, je vais chercher à analyser. Tu vas me faire un jet sur une capacité que tu peux deviner, je pense. Moi, j'ai une suggestion. Bien, ça peut être je pense que c'est un message de Dieu qui me souhaite bon courage. Exactement. Très bien. Bon, entre ceux qui ont la tête dans le fion ce matin au réveil et les autres, toujours est-il que vous retrouvez maintenant, j'allais dire, comme d'habitude ou presque, dans la salle du petit déjeuner, avec une belle journée d'enquête devant vous. Le vent est un peu tombé, la Bora qui a vraiment soufflé, qui a atteint son summum vers 3 ou 4 heures du matin, est tombée. Encore une fois, il y a du vent hein, dehors, mais ça reste un vent acceptable, plus régulier aussi, moins ces bourrasques qui peuvent d'un seul coup monter à 100 ou 150 ou 120 km/h. On est plutôt sur un vent voilà, à 40-45, donc il souffle beaucoup, hein, mais ça n'est plus dangereux. Vous n'allez pas vous prendre des tuiles ou des cheminées sur la tronche en sortant, en tout cas pas tout de suite. Donc, que faites-vous? Eh bien, allons au musée. Oui, le Museo di Storia e d'Arte. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu toutes les infos qu'ils ont eues à la base, donc je leur fais assez confiance. Si tu peux aller au musée, allons au musée. Ouais. Bien entendu, je les retrouve à l'hôtel au petit matin, après le meeting. Il a une sale gueule, le prêtre. Hein. Ah ouais, il a la forme du pavé de l'église sur la tronche, hein, donc je confirme. Heureusement qu'il a une grosse barbe, ça limite la casse. Très bien. Pourquoi le temps brièvement de faire un récap un peu plus approfondi qu'on avait, parce qu'on l'a pas fait avec Blanche pour lui. Oui. Vous m'avez expliqué, mais c'est vrai que. Disons que vous avez eu une soirée de plus. Et surtout toi, Blanche, t'as été confrontée à certaines choses à Venise qui font que je pense que tu es sans doute un peu plus, j'allais dire, ouverte. Écoute, d'esprit, en tout cas. Oui, voilà. En tout cas, disons un peu plus attentive à certaines choses qui, pour le moment, pour toi, relevaient sans doute de l'impossible ou de la fiction. Oui, non, mais je les prenais pour des fracassés, hein, mais... Donc là, on est le 1er février, hein. Nous sommes le 1er février, exactement. 1er février ou matin. Nous sommes le 1er février. Vous dirigez donc vers le musée d'histoire et d'art, hein, j'ai arrêté de faire mon faux italien, qui se situe dans la Via della Cattedrale, qui, comme son nom l'indique, est la rue qui mène à la grande cathédrale de Trieste, en l'occurrence, frère Loupsins. L'entrée est à deux lire.
ce qui encore une fois est une plaisanterie pour vous, et vous arrivez devant les portes autour de l'ouverture, on vous l'a indiqué à l'hôtel. Il est 10h quand vous arrivez près de la cathédrale San Giusto. On n'est pas très loin, on est sur la colline en fait, pas très loin du Castello, donc la forteresse médiévale qui est au sommet du Monte Giusto. Sachant que le Castello, c'est certes un lieu touristique, mais c'est surtout devenu une espèce de grande caserne et un magasin au sens militaire du terme. Hein, donc c'est l'essentiel du Castello n'est pas accessible. On peut en faire le tour, mais on peut pas y rentrer. Évidemment, par contre, le musée lui est un lieu touristique réputé. Hein, c'est un musée d'art antique. La collection égyptienne, grecque et romaine est très très réputée. C'est un musée privé, c'est pas un musée public. Que faites-vous quand vous arrivez devant? Attends, Padre, tu avais considéré à Venise que je parlais italien de par mes acquaintances. Oui, et tout à fait, Blanche. Donc ouais. J'en profite. Enfin voilà, pour si mes. Alors, effectivement, italien couramment, sachant qu'à Trieste, beaucoup de gens parlent italien. Mais un italien, j'allais dire, pour la plupart des gens, c'est pas du tout la langue natale. Hein. C'est une langue qu'ils sont en train d'apprendre à grands coups de matraque dans la gueule. Ça, je me doute, mais voilà, c'est que s'il y a besoin. Oui, oui. Non, mais enfin, en tout cas, Trieste est une ville, encore une fois, très cosmopolite, où on peut se débrouiller avec un bout d'anglais et de français. D'accord. Et encore une fois, vous êtes dans un lieu touristique, vous n'aurez pas de problème pour poser les questions que vous voulez poser. Vous arrivez à l'accueil, donc, hein, là où on vous vend vos tickets. Que faites-vous? Alors, histoire qu'on se ridiculise pas, si John Winckelmann est un tableau ou une connerie du genre, je proposerais bien qu'on commence par une petite visite simple. Mais ils n'ont pas la liste des œuvres sur un ouvrage? Il n'y a pas un petit répertoire des œuvres? Vous allez me faire un jet de spot hidden. Un fascicule, oui, de spot hidden. Fascicule de Spotify. C'est bien ça. C'est la prochaine élection Spotify. C'est moi, j'ai fait une réussite majeure. Voilà. Ouais. Très bien. Je vais faire mon jet une fois que tous les jets seront partis de mon écran. Je gâche mon truc. Voilà. Titre. C'est ça. Voilà, tout ça pour ça. Merci. Fergus rate à peu près tous les présentoirs qui sont à l'entrée du muséo, contrairement à Blanche qui pardon, qui parlant italien comme elle le parle, lit avec une certaine aisance la brochure qui est là sous les yeux, qui s'est offerte d'ailleurs. Et effectivement, c'était bien vu, les enfants. Effectivement, Winckelmann n'est pas une personne vivante. Le Winckelmann dont on parle est mort il y a deux bons siècles. Puisqu'il s'agit... Normalement, effectivement, il n'est pas vivant. Non, puisqu'il s'agit, même dans un Cthulhu, tu sais, même s'il s'agit donc effectivement d'un homme qui aimait beaucoup Trieste, puisqu'il y est mort, on parle de Johann Joachim Winckelmann, qui pour l'anecdote est un véritable archéologue, qui a vraiment existé, un historien de l'art, qui était en fait un des bibliothécaires du Vatican à la fin du XVIIIe siècle. Et qui est mort à Trieste dans des conditions relativement mystérieuses. Et si on vous a orienté vers, si à l'hôtel des gens avec un peu d'ironie vous ont orienté vers le fameux muséo, c'est tout bêtement que Monsieur Winckelmann est enterré dans le jardin du musée, le Giardino Lapidario. Jardin. Il va encore falloir creuser. Pardon. Le jardin lapidaire qui est à nouveau payant puisque nous sommes quand même en Italie, donc ça va vous recouter 4 lire de pouvoir rentrer dans ce jardin qui est un jardin en terrasse. Je fais quand même les gros yeux à Frère Loupsens. Et pourquoi? Je fais les gros yeux à Frère Loupsens, genre il connaissait pas l'ancien bibliothécaire du Vatican. Non mais c'est une sorte de blague. Bah, il avait peut-être l'esprit occupé par le fait qu'à Venise a été fatigant. Ouais, et puis ils doivent être plusieurs aussi bibliothécaires au Vatican. Voilà, surtout il y a deux siècles. Ouais. Eh ben je confirme, je le connaissais pas. Ok. Non, mais tout va bien, frère Loussin, tout va bien. Donc vous arrivez dans ce jardin, le jardin lapidaire,
pardon, qui est un jardin de terrasse où on a réuni au fil des siècles toute une collection d'anciennes antiquités qui viennent d'Aquilée, qui viennent de Trieste, qui viennent de Pompéi, de Tergesté, l'ancienne Trieste, la Trieste romaine. Ah. C'est vraiment l'endroit idéal pour passer une belle après-midi d'été, sauf qu'on est en janvier et qu'il y a un vent absolument glacial. Bah, c'est-à-dire qu'entre le vent et les fachos, franchement, à l'Italie, tu nous la vends pas bien. C'est ça. Et d'ailleurs, il n'y a honnêtement personne dans le jardin. Vous allez me faire un jet de spot hidden à nouveau, tous. Ah, chouette. Vous arrivez par le dessus de ce jardin qui descend le long du Castello. J'ai raté. Ah ben moi aussi. Eh bien, heureusement qu'Alexei, par un heureux hasard. Oui, mais ça c'est parce qu'il a réussi à lire les tombes qui sont écrites dans la langue de son pays. C'est-à-dire que moi je suis encore en train de lire le manuel et je la vois, la merde. Bah heureusement qu'on peut compter sur Fergus et sur Alexei. J'ai une poussière dans C'est inhabituel. Oui, non, mais c'est mérite... Même, on a racheté un briquet, donc on est prêt à foutre le feu de n'importe où vous voulez, il n'y a pas de soucis. Alors, non. Posez tout de suite ce briquet, c'est posez de la ce caillasse, ça va pas prendre feu. Parce que je vous rappelle que moi j'enquête quand même sur la mort de Magdalena, il y en a qui vont avoir des problèmes. Fergus a raté ses gros yeux, j'aime. C'est avec frère l'option, vous avez regardé d'ailleurs. Fergus et Alexei, vous êtes les premiers, enfin vous êtes même les seuls, à repérer tout en bas de la pente, à l'autre bout du jardin, ce qui a l'air d'être la réplique d'un temple romain entier. Alors pas immense, il se cache un peu derrière des platanes, alors certes un peu tordus par le vent, qui sont d'ailleurs torturés par ce qui reste. Le laborat est en train de revenir, hein, manifestement. Il y a un froid mordant, là, il y a un glacial qui traverse le jardin. C'est pas très agréable comme balade de descendre en faisant un petit peu attention le long de la pente. Et c'est accessoirement ce temple a l'air d'être le seul endroit du jardin qui offre un semblant d'abri contre à la fois le vent et le froid. Quand vous arrivez devant ce temple, vous descendez tous ensemble, vous allez à nouveau me faire un jet spot hidden. Et quand tu parlais de l'aspect un peu tordu des platanes, c'est l'aspect que peuvent avoir certains arbres qui sont le long de la côte où tu sais qu'il y a le vent. C'est ça, oui. Tu sens, c'est comme ces pins sur la côte. C'est en fait, ils ont poussé dans un vent constant, ce qui leur a donné des formes un petit peu plus tordues pour un platane classique. Ah bah voilà, dès qu'il s'agit de rentrer dans un temple. On peut compter sur le curton et la bonne sœur, ils sont au taquet. Pour une fois, il n'y aura même pas besoin de torturer des antiquaires. Mira est en train de se perdre dans le jardin. Elle erre sans. Revenez, madame. Revenez, s'il vous plaît. Mira n'est pas forcément dans sa zone de confort culturel. Et effectivement, est un petit peu perdu. Vous arrivez en bas de ce temple qui, comme tous les temples, là, vous savez, il y a ce fronton en forme de triangle très allongé là. Et qui, comme souvent, abrite une frise, comme le Parthénon, comme beaucoup de temples romains, une frise en haut relief, qui a été, alors que c'est pas, elle n'est pas sur le fronton, elle a été, comme souvent, déposée à côté et remontée sur un mur spécial à côté du temple. C'est une frise qui est très très belle, très bien exécutée, mais quand même, il y a quelque chose d'assez curieux dans les proportions. C'est un petit peu. En fait. Pour ceux qui ont joué à Reign of Terror, ça va vous rappeler quelque chose. Il y a vraiment un... C'est comme si les échelles n'étaient pas tout à fait les bonnes, comme si les angles n'étaient pas tout à fait les bons, comme s'il y avait des proportions... Non. Moi, il y a des oiseaux dans le genre. Curieuses. En fait, je me crève les yeux. Je préfère ne rien voir. Attention, parce que... J'ai des frissons de ce pauvre Barousse dont le cerveau a fondu par les oreilles. Oui, après que la tête lui soit... Enfin bon, bref. En tout cas, juste après que la tête lui soit tombée sur l'échafaud. Le sujet de la frise de manière simultanée. Assez clair. Elle représente un groupe d'hommes, d'humains en tout cas, qui font des offrandes, ce qui a l'air d'être un groupe d'esprits animaux, de dieux, vaguement reptiliens. Ça rappelle un petit peu certains dragons orientaux d'ailleurs, assez curieusement, mais avec des têtes... pas les proportions qui vont avec leur corps. Et il y a autre chose d'assez curieux. Vous avez fait une réussite extrême, hein, les deux, là. Oui. Ouais. Extrêmement. Moi, non. Non, pas extrême, mais une belle réussite. Oui, il y a une majeure et une normale. Une majeure. Ouais, d'accord. Il y a une majeure. Donc, et une extrême. Ah, oui, c'est une majeure et une extrême. Ah, d'accord. Une extrême, une majeure et une normale. Pardon, je t'avais pas vu, frère Loupsin.
C'est toi, Lucence, qui a fait la parfaite ? Oui. Ok, c'est toi alors qui détecte ça et qui le montre aux autres. Autant les figures humaines semblent assez usées. Vous savez, vous avez tous vu ces images un peu gommées, enfin ces statues un petit peu gommées par le temps, un petit peu lissées. Voilà, elles sont... Par exemple, les membres de certaines ont été cassés, d'autres ont été presque érodés. Ça leur donne une espèce de forme bizarre, à moitié amputée. Alors que les figures les plus reptiliennes, ces espèces de sauriens, de divinités, elles sont très bien conservées et on jurerait même qu'elles ont un toucher infini qui fait qu'elles pourraient avoir été sculptées hier, quoi. Moi, je suis pas spécialiste de l'art, mais c'est bizarre, non ? Vous pouvez tous tenter un jet idéalement d'archéologie ou de culture, d'éducation en fait pour certains. Ouais, mais ça change. Moi je mets éducation. Ouais. Ah, si on a loupé le spot Tiden précédent, est-ce qu'on le fait quand même ? Non. Ok, donc moi je suis dehors, je cours après une virage. Je suis très très concentré sur ces œuvres d'art différentes. C'est une réussite donc, extrême, hein. En fait, vous avez eu le temps de piper les dés numériques, c'est ça ? Bah non, parce que j'ai aussi fait des 99, hein, moi. C'est pour... c'est pour les fausses pistes. Ah, tu sais, tout à l'heure, j'ai fait un 100, hein. C'est ça, on s'applique aussi pour faire de la merde, hein. Oui, j'attends les fonds changés avec une certaine impatience. Vos jets et vos connaissances, pour certains manifestement, soupçonnés en matière d'art romain, vous permettre déjà de situer assez bien le style de la frise. C'est un style assez ancien en fait, qui remonte vraiment au tout début de l'époque romaine, de la période romaine, de la domination romaine en Méditerranée. Et par contre, vous êtes particulièrement bien placé pour savoir, les habitués de l'histoire de l'art romaine, manifestement, qu'il n'y a littéralement aucun mythe, mais aucun mythe romain qui et quoi que ce soit à voir avec des créatures qui ont des têtes de sauriens, de ces espèces d'écailles qui ressortent. C'est pas du tout un mythe gréco-romain, le mythe du serpent. Le seul, c'est l'hydre de Lerne, et ça n'a rien à voir avec ça. Vous avez ces et c'est... De... Excuse-moi, mais du coup, c'est trop tôt par rapport à la période égyptienne. Ça pourrait pas être une romanisation de Sobek, par exemple. Non, non, non. Vraiment, ça ressemble pas à des crocodiles. Hein. C'est pas Sobek, pour tout le monde, c'est le dieu à tête de crocodile dans l'Égypte ancienne. Dieu de la sagesse, entre autres. Et non, ça ressemble pas à ça. C'est pas... Et effectivement, on est beaucoup trop tôt dans l'histoire de l'Italie pour que l'art égyptien ait pu irriguer la zone. Commerce encore une fois avec l'Égypte, mais là non, c'est assez bizarre. Ça ressemble à des vers, à des lézards, à des serpents. Ouais, non, mais j'avais une bonne amie qui a beaucoup parlé de l'histoire romaine, d'où mes connaissances. Et là, c'est pas comme elle m'avait dit. Est-ce que ça m'évoque autre chose, moi ? D'occulte ou de qu'il ne faut pas dire ? Eh ben, c'est toi, tu sais sur quoi tu lances ça. Ça, c'est toi qui vois. Diablerie. Allez, lâchons-nous. Raté. Non, ça t'évoque rien de particulier. Quand même, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui te tracasse. Tu sens que c'est pas une autre mythologie, c'est pas un autre panthéon, c'est quelque chose d'autre. Bah, en tout cas, j'ai tout le catalogue de l'occultisme qui sert à rien. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais tu sais que tu l'as déjà vu. C'est quelque chose qui effectivement n'est pas du tout classique dans le panthéon romain. Et il y a quelque chose quand même qui est frappant, c'est que notamment sur ces créatures, c'est moins visible forcément sur les créatures humaines, qui sont encore une fois beaucoup plus abîmées, beaucoup plus usées par le temps. Vous pouvez pas vous départir de cette impression que le sculpteur a travaillé à partir de connaissances personnelles, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à des portraits nature. De là où vous êtes, sous l'auvent du temple, vous pouvez constater, comme tous les temples romains, le naos, l'intérieur, est sans fenêtre, mais par contre, c'est effectivement le seul endroit du jardin où vous pouvez vous sentir 2 minutes à l'abri du vent. Que faites-vous ? Est-ce qu'on voit la mer de là où on est ? Comment, pardon ? Est-ce qu'on voit la mer de là où on est ? Non, enfin si, pardon, je te dis, nannerie, si, absolument, tu vois la mer de loin. Ah ben voilà,
Elle est démontée, non ? Au milieu du jardin, en train de regarder la mer fâchée. Mais moi, ce que je comprends pas, est-ce que l'espèce de chauve-souris géante là qu'on avait vue à Venise, elle avait des écailles ? Non. Je sais pas, moi j'essaie de faire un mix. Hein. Non, non. Matchons-les. Non. Putain, je sens que le caméléon va revenir là. J'ai pas pensé à lui, je l'avais oublié dans un coin. Est-ce que ça pourrait éventuellement, si on était bourré et qu'on regarde en fermant un œil, ressembler à un caméléon ? Non. Non. J'aurais été tellement sûr. Non. Est-ce que le taux de caméléonitude est absolument à zéro. J'ai raté un épisode, mais on était. On se dirigeait dans le jardin pour tomber sur la tombe de ce fameux Winckelmann. Et donc on tombe sur ce temple romain, c'est ça, hein ? Absolument. D'accord, donc okay. Cette tombe, elle est plus ou moins à côté de ce temple. Est-ce qu'il y a des indications, tu sais, un petit panneau qui dit si lui, Winckelmann, ou pas du tout ? Ouais, il y a effectivement un petit panneau pas très loin. Qui porte juste le nom de Winckelmann avec une flèche qui oriente vers le temple. Ok. Eh ben, donc ça, dans le temple serait dedans. Ouais. Voilà, on a mis tout le cerveau là. Que vous voyez dans le parlant l'embrasure encore une fois, c'est encore une fois, vous savez, c'est une simple ouverture dans le mur du temple qui mène au Naos. Vous voyez évidemment pas grand chose à cause du contraste. On est en pleine journée, la lumière est plutôt vive. Le ciel, ça j'ai oublié de vous le dire, le ciel est grand bleu. Hein, ça souffle, mais il fait beau, il fait froid, mais il fait beau. Ça dégage les nuages, quoi. Ah oui, ça dégage, ouais. Et donc vous ne devinez qu'une partie de la pièce. Vous voyez d'ailleurs des chats qui sont manifestement foutus là pour se reposer. Et vous voyez vaguement parce que la lumière éclaire en tombant, vous voyez un morceau de sarcophage. Ah. Eh ben on va aller voir un sarcophage. Hein. Allez, chat, ta baramine. Pardon ? Quelle baramine ? Je suis désolé parce que déjà j'entends pas toujours très bien. Je viens de comprendre. Oh chat, la baramine. Non, j'ai interpellé Alyosha. Ah merde, merci. Il avait sa baramine sur lui. Je plaide qu'avec mon outil, certains sons sont beaucoup étouffés et d'autres sont très forts, donc c'est compliqué. Hein. On va dire que c'est ça, ouais. Très bien, vous. Mais confuse. La fameuse baramine qu'on cache dans une poche. Donc très bien, vous. Vous rentrez à l'intérieur du temple. Oui. Rendez-vous au paragraphe 132. Évidemment que je prends par le bras notre délicate. Elle a l'air de dormir à moitié debout au milieu du jardin malgré le vent. Oui, mais ça fatigue le vent. Je prends par le bras notre délicate Indira, évidemment. Votre petite troupe de six rentre à l'intérieur du temple et ne se passe strictement rien, à part que vous pouvez constater qu'effectivement le sarcophage que vous deviniez à peine dans la pénombre repose sur un socle en marbre qu'il surélève à hauteur de vue à peu près. C'est un très beau socle en granit rose. Et au sommet du sarcophage lui-même, vous voyez une figure allongée avec des ailes, qui tient un médaillon. Et sur ce médaillon figure une tête d'homme de profil, vous savez, comme ces médailles du 19e qu'on voit, où ces médailles, je sais pas si vous avez vu, ressemblent les médailles d'une belle, vous savez, quand on voit les profils, là, voilà. C'est exactement la même chose. Et vous voyez une inscription latine que je vous épargnerai. Ioanni Winckelmanno, ça vous arrivez à le lire, et ceux d'entre vous qui maîtrisent la langue, les chiffres latins, peuvent voir qu'il est mort le 8 juin 1768. Et comme vous aviez réussi vos jets tout à l'heure, je ne vais pas vous le demander. En fait, Winckelmann, ceux qui ont une bonne culture latine le connaissent. Il suffit de le voir en situation pour que ça vous revienne. C'est un des grands-pères de l'archéologie moderne. Ce que vous aviez oublié, c'est qu'il était mort à Trieste. C'est un détail que tout le monde ne connaît pas, mais c'est effectivement considéré, en vrai, dans la vraie vie, comme un des grands-grands... père du moment où on a commencé à faire de l'archéologie une science et on a arrêté de voir des machins en disant « Hey, ça a l'air vieux !» pour on se dire « Hey, ça a l'air vieux !» si on s'y intéressait. C'est un des grands... Ça a l'air vieux et on les pille, tu vois, c'est... Ouais. Oui, aussi, tout à fait. Ta place est dans ma vie. Voilà. Comme il n'y a pas de caméléon... On n'est pas en Angleterre, calmons-nous. Ouais. Comme il n'y a pas de caméléon, est-ce que je peux caresser un des chats ?
Ah non, mais moi j'ai dit que je les prenais tous et on les ramène, hein. Et on va les dresser pour capturer des caméléons. C'est des chats à l'italienne, hein. Mais tu as faim ? C'est-à-dire que c'est des bêtes maigrelettes. Je m'appelle pas Alf. J'étais bien avant que vous arriviez, mais bonjour pour essayer de les approcher, hein. C'est, voilà. Si vous avez de la bouffe, vous pouvez les intéresser, sinon ils vont se casser. C'est des chats à moitié sauvages, hein. J'ai une flasque de vodka, ça les intéresse. Non. Non. Et si je m'accroupis et que je fais minou 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 minou. Alors il tire un gros doigt d'honneur et il se casse. C'est un chat, il se montre son cul. Je peux faire un jet de charme. Non. Non, c'est pas oui. C'est on a rien à foutre. Le charme. C'est un chat, à quoi tu t'attends? Je sais pas. Non, je pense que vous allez avoir du mal avec à attirer les chats. C'est vraiment de... ils sont là pour le décor. Et... D'accord. C'est des chats normaux, c'est pas des chats BNJ. Non, c'est des chats. Il n'y a pas une lumière de qui tombe pile sur eux. C'est pas des chats de Catwoo en fait. Non, il n'y a pas de quête avec ce chat. Laissez-le tranquille. Est-ce que ce beau sarcophage a l'air d'avoir est toujours scellé? Oui, c'est un sarcophage qui pèse c'est 15 bonnes tonnes de caillasse, donc non, il a pas bougé, il a l'air parfaitement intact, très bien entretenu d'ailleurs. Ayesha, Tabaramine. Est-ce que à l'approche du sarcophage, mes confrères qui avaient avant des douleurs au niveau de la jambe ou au niveau des bras, ont ces douleurs-là qui se réveillent? Pas particulièrement, non. Vous les sentez, hein, tous ceux qui ont un moment été en contact avec l'une ou l'autre, notamment Lady Prudence qui en a chopé deux, si ma mémoire est bonne. Ouais. Vos douleurs habituelles ou vos gènes habituels sont toujours là, mais elles n'ont pas augmenté, ni à cause de la borade, ni à cause du vent, ni à cause des cauchemars que vous avez pu faire, ni à cause du sarcophage. On est stable dans notre médiocrité. On n'est pas sur Lady Prudence, mais est-ce que je peux prendre Lady Prudence par la main et lui faire le tour de la propriété pour voir si un moment. Par hasard, elle a pu. C'est pas un détecteur! Elle est en train de traiter les prudences qui m'a compté ailleurs, quoi. Mais on peut! Allons-y, mon cher! Mi baguette de sourcil. Donc tu prends les prudences par les chevilles et tu la pousses devant toi. Non, je lui prends le bras et je lui propose galamment de faire une promenade autour du temple en devisant pour qu'elle m'explique. Un peu ce que c'est, parce que moi je comprends pas grand chose à l'archéologie, mais j'ai toujours hâte de savoir ce qui se passe. Et je suis attentif à sa perception, c'est-à-dire si elle se met à boiter, si je sens sur elle un truc de dur, je fais ah, excusez-moi. C'était bras et torse qui me grattaient. Mais je vous remercie de votre sollicitude, cher ami. Est-ce que ça marche son truc? Absolument pas. Lady Prudence a évidemment mille anecdotes à te raconter sur l'histoire de Trieste, sur l'histoire de l'art romain et sur ce genre de choses, sur l'organisation des temples romains, mais rien de particulier, non. À l'intérieur, il y a d'autres masques. Non. Non. Comme souvent, le temple est une réplique, hein, une imitation. D'accord, oui, c'est simplement repris voilà, au 19e, ça s'est beaucoup fait. On a foutu là la tombe de Johann Winckelmann. Seul truc à peu près authentique, c'est sans doute la sculpture du fronton, qui était d'ailleurs déposée. Encore une fois, elle n'était pas sur le fronton, elle était déposée à côté, et ça, c'était sans doute la sculpture du temple originel dont on a fait une copie décorative dans le musée, dans le musée d'art romain. Eh bien... Pardon. Pourrait-on, par exemple, y aurait-il un petit cartel quelque part qui expliquerait où se situe le temple original? Exactement les questions que j'avais posées. Oh, c'est bon. Le temple original n'a pas vraiment d'existence, encore une fois. On a simplement on sait qu'il y avait un temple, qu'il y avait des temples romains à Trieste parce que la ville est très ancienne. On a reconstitué ce qu'on sait de à quoi. Tu sais, ils ont littéralement pompé la maison carrée de Nîmes ou le temple d'Auguste à Vienne. Et ils ont reconstitué ça parce qu'on faisait du faux romain, du faux classique, c'est logique dans un musée où on présentait des pièces d'art romain. Donc il y en a sans doute eu, mais il était sans doute pas là, personne ne sait. Et sait-on d'où viennent les frises?
Alors ça, effectivement, les fascicules que vous avez récupérés à l'entrée vous disent qu'on a récupéré ça dans les fouilles archéologiques qui ont eu lieu à Trieste entre le 18e et le 19e siècle. Donc c'est là que vous apprenez que la sculpture du fronton est authentique. Donc c'est-à-dire qu'elle date du début de l'époque romaine, on va situer ça au 3e siècle, à peu près avant Jésus-Christ, dans ces eaux-là, 3e, 4e siècle. Mmh. Elle vient d'un autre endroit ? Oui, il a été déplacé ici, comme ont été déplacées toutes les autres statues que vous avez vues dans le jardin. Encore une fois, c'est un jardin lapidaire, hein. Donc vous avez passé votre temps à circuler entre des vieux autels avec des inscriptions à moitié effacées, des sculptures romaines, voilà, c'est un musée, encore une fois, dans lequel vous vous placez, et c'est un musée du début du siècle, c'est-à-dire qu'on n'abrite pas encore nécessairement les œuvres comme on les abrite aujourd'hui, on les protège moins, on les fout littéralement là où on les trouve, on fout un socle en dessous et puis allez, quoi. Bon, en tout cas, c'est pas ici que vous allez apprendre beaucoup de choses sur Johann Winckelmann, à part que manifestement il est enterré là. D'ailleurs, vous ne savez pas si c'est un cénotaphe, c'est-à-dire une fausse tombe, ou s'il est vraiment là-dessous. On n'a qu'à ouvrir. Non, pardon. Ouvrir en plein milieu de la journée. Encore une fois, on parle d'un sarcophage qui pèse plusieurs tonnes. Ouais. J'aime assez votre façon de penser, qui est de se dire tiens, si on ouvrait un sarcophage. Je veux jamais vous emmener au Louvre. On est qu'est-ce qui se passe grâce à Joconde, hein. On va soulever les marbres avec le petit doigt. Hein. Alors on a été au Louvre. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Ah oui. Ah oui, je m'en souviens là. Enfin, pas ce perso-là. Mais... Oui, il y avait espèce de portrait. Oui, de Malaise TV. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas ici, sur place, que vous en apprendrez davantage sur Winckelmann, à part qu'il est mort, ce qui était sans doute probable de toute façon depuis le 18e siècle. Oui, enfin ça, bon. Est-ce qu'il y avait éventuellement des choses derrière la frise ? Il n'est jamais mort, jamais né et voilà. Est-ce que, pardon, j'ai pas entendu la question. Est-ce que la frise, elle est... Il y a l'air d'y avoir quelque chose qui potentiellement est derrière, soit au niveau de l'architecture, comme une alcôve... Non, elle est vraiment tu sais, elle est enchâssée en fait sur un mini muret dans le jardin, c'est tout. Il y a rien à cacher. Et les frites comme ça qui sont déposées, en fait, elles sont soit récupérées en miettes, soit arrachées de leur mur d'origine pour être allées exposées ailleurs. Au British Museum. C'est exactement ce que vous trouvez au British Museum sur le les frites du Parthénon. Ouais, c'est exactement ça. Ça fait ce fameux triangle très allongé là. Qu'on a reconstitué à partir des différents fragments plus ou moins importants qu'on a retrouvés. C'est un puzzle. Il n'y a aucun signe visible de phénomène un petit peu étrange, comme on avait pu constater dans le jardin d'un célèbre médecin de la région parisienne. Si tu n'es pas un caméléon, tu fais un clin d'œil. Voilà. Non. Il n'y a rien de particulier. Rien qui sort de l'ordinaire, à part ces fameux platanes qui sont un peu couchés par le vent, quoi. Et le fait qu'il y a quand même des sauriens qui n'ont rien à foutre sur une frise, quand même. Oui, bon. Ouais, c'est ça. Il y a ce truc-là, mais ok. Non, l'endroit est plutôt banal, hein. Est-ce que on trouve quelque part... c'est tombé du ciel la réponse, j'imagine qu'il faut aller demander dans le musée, mais... Comment dire ? Des archives, des documents qui expliqueraient bien la... Qui, quand ? C'est une excellente idée, mon père. Alors, si vous posez la question au musée, on va tout de suite vous dire que non, hein, le musée n'est pas un lieu où ils abritent de la documentation, ils ont vraiment que les pièces. Par contre, et Trieste n'a pas d'université. Par contre, il y a une grande, grande bibliothèque qui est sur la Piazza Ortis, qui est sur le port, pas très loin d'un autre musée, le Museo del Mare, le musée maritime. Et c'est là que vous pourriez trouver éventuellement des renseignements. Tu veux des renseignements sur quoi, Raymond ? L'histoire de cette frise. L'histoire de cette frise. De cette découverte, de ce genre de choses. Est-ce qu'elle a un lien avec Winckelmann ? Pas du tout. Ouais. Et est-ce qu'on pourra en profiter aussi pour avoir une... trouver une, je sais pas, une somme ou une synthèse des travaux archéologiques de Winckelmann ? Là encore, on te répond la même chose. Hein. Pour tout ce qui regarde Winckelmann ou les antiquités, la bibliothèque. C'est pas au musée. Voilà, ce sera plutôt à la bibliothèque de la ville. Eh ben, ouais, bibliothèque.
qui est ouverte. C'est une drôle de couleur, mais pourquoi pas. Pardon. Oh la vache. Mais juste. Je veux comprendre. Oui. J'ai une mémoire de poisson rouge, mais si on se rappelle bien le problème initial, donc l'artefact, enfin le simulacre de Sedefkar, il a été démonté et dispersé à Paris à la veille de la Révolution. Et oui. Bien après la mort de machin, on est d'accord. Ok, donc c'est bien après la mort. Ok, ouais. Donc en fait, le lien avec Winkelmann, il est autre. Ouais. C'est ça. Pour le moment, vous avez deux informations. Enfin, Smith vous a dit de chercher un certain Winkelmann. On a manifestement une petite blague qu'on mettra sur le compte de la souffrance en oubliant de vous préciser que Winkelmann est mort. Mais clairement, il y a un lien quelque part, sauf que pour le moment, oui, il y a pas. Vous le voyez pas. Le lien, c'est la fresque. Pour moi, le lien, c'est la fresque. Ouais, mais la fresque, voilà, ce qu'il va falloir savoir, c'est l'origine un peu de cette fresque. Voilà, mais les travaux de recherche de Monsieur Winkelmann. Juste, on a la date. Enfin, je suis désolé, mais on a la date, à Venise, du moment où le bras a été vu sur place. Il faut qu'on reprenne cette date, parce que je vois que dans la lettre, il est indiqué que le fragment a été vu à Trieste à la même époque. On a à peu près quelques années. À la fin des années, à la toute fin du XVIIIe siècle, 1797 ou 18 de mémoire. Donc il faut qu'on regarde. C'est la campagne d'Italie, Napoléon. Qui peut concerner Winkelmann, enfin les choses en lien avec Winkelmann à cette époque-là en fait. Ouais, c'est ça. Donc, novembre 1797. Ouais, c'est ça. Et les mois qui ont suivi quand l'armée française s'est installée en Italie. Est-ce que le temple, par exemple, que tu nous as montré, non, c'est un siècle plus tôt, effectivement, c'est pas le 19e, mais est-ce qu'il y a eu un truc qui a été fait en son honneur à l'époque? Winkelmann était une célébrité à l'époque. Hein. Sa mort avait surpris un petit peu tout le monde, et on parle encore une fois, c'est dans la catégorie archives, histoire, archéologie, on parle d'une figure aussi célèbre à l'époque que peut l'être, moi je sais pas, un des encyclopédistes dans le monde des lettres, si tu veux. C'est vraiment, est-ce qu'on sait de quoi il est mort ? Non, on ne sait pas. Enfin, on sait qu'il a été assassiné. Ah. On ne sait pas pourquoi. Vous aviez fait une réussite critique tout à l'heure hein, sur Winkelmann quand vous avez fait votre jet culture là. Culture éducation là. Vous avez identifié Winkelmann. Oui c'est ça. Oui. C'est moi j'avais fait une réussite extrême. Ouais. Non, tout ce qu'on. Ce que vous saviez, c'est que Winkelmann a été donc assassiné à Trieste alors qu'il était en train de faire demi-tour pour Rome. Et d'après la brochure que Blanche a consultée, dans ses derniers courriers à ses amis, dans ses dernières annonces, il avait écrit à ses amis qu'il avait été saisi à Trieste d'une sorte de mélancolie assez étrange. Et puis, voilà, il a été quelques temps plus tard assassiné dans une ruelle de Trieste, sans qu'on sache vraiment ce qui s'était passé. Okay. Pour la petite histoire, c'est tout ça est vrai. Hein. Ah. Dans la vraie vie, c'est vraiment arrivé. On ne sait pas de quoi est mort Winkelmann. Pourquoi, en tout cas. Comme on ne sait pas ce qui est arrivé à Edgar Allan Poe juste avant sa mort. Ça fait partie des grands mystères. Mais juste avant sa mort, je veux dire, il était encore en vie. Absolument. Bébé, merci. Là. Putain. Nous sommes toujours le 1er février, il est autour de midi, hein, ça vous a pris deux bonnes heures de visiter le musée, de vous renseigner sur, de consulter un petit peu les brochures que Blanche a pu lire en italien, de vous balader à travers ce plutôt grand jardin, d'examiner la frise, de rentrer dans le temple et de découvrir la date de la mort de Winkelmann. Effectivement, vous comprenez, enfin ceux qui n'avaient pas encore tiqué ont bien compris qu'on s'était un peu foutu de votre gueule la veille quand on vous avait dit « Ah oui, Winkelmann, ce sera au musée. » Ah, c'était techniquement vrai. C'est vrai. C'est pas 100% faux. La bibliothèque de la ville est en fait rattachée, donc c'est ce que je vous disais, hein, au musée maritime, et elle sera ouverte l'après-midi entre 14h et 18h à peu près.
se faire un petit déjeuner déjeuner en terrasse venteux, c'est ça? En terrasse journée. Oui, donc pas en terrasse. C'est ça, pas en terrasse. Le vent est à nouveau. Sa chaise en... et Bora est à nouveau en train de forcir. Et de toute façon, la ville est assez grande, hein. Ça va vous mettre du temps de vous rapatrier du côté du port. Mais en tout cas, voilà, je vais considérer qu'aux alentours de midi ou 13h, vous arrivez autour de 13h, voilà, vous êtes dans le secteur du port. Le musée ouvre bientôt, j'ai mis effectivement vous déjeuner. Que faites-vous ensuite? Ça me suit. Juste comme ça, est-ce que... On ne t'entend plus, Padré. Ah bon? Il nous a demandé ce qu'on faisait, en fait. Oui, c'est ça, mais c'est à vous de me parler, les enfants. J'ai posé la question, est-on suivi? Parce que... Non, j'ai pas entendu. Enfin, vous n'êtes pas suivi, mais vous êtes observé. Encore une fois, les groupes que vous aviez détectés hier en plein vent, en pleine Bora, sont évidemment encore plus présents aujourd'hui. Donc si, effectivement, vous sentez, non pas que vous êtes suivi, mais encore une fois, vous êtes, surveillé, on peut dire comme ça, comme tous les groupes d'étrangers qui se baladent à travers la ville. Hein. Mmh. Et vous puez quand même le touriste à 800 mètres. Donc oui, vous êtes pas particulièrement suivi, mais regardez. Touriste ou fasciste? Bon choix, vite fait. Voilà, si la question est de savoir si on vous regarde, oui, on vous regarde. Mais c'est pas planqué, hein. Oui, mais de toute façon, il y en a ici, il y en a qui ont l'habitude, alors bon. Ben, on sera à la bibliothèque, du coup. Okay. Très bien. Bah, rien d'autre de spécial à faire. À part aller tabasser des chemises noires, mais je pense qu'on va avoir des problèmes, donc on va à la bibliothèque. Ok. Quand vous rentrez dans la... C'est un échec aux douanes. Quand vous rentrez dans la bibliothèque, d'abord, qu'est-ce que vous voulez y faire dans la bibliothèque? C'est quoi votre objectif? Savoir d'où vient la frise. Voilà, la frise. Sur la frise et sur le travail de... De Winkelmann. De Johann Winkelmann. Et notamment de Winkelmann à Trieste. Patrice, oui, c'est bizarre. Passé en 1768. Ok, 1800, Tu comprends pourquoi j'ai eu 6 au bac en histoire? Parce que c'est ma manière de dater les choses aussi. Complétez selon l'année désirée, merci. C'est tout à fait honorable ce que j'ai eu en maths. La bibliothèque, encore une fois, est effectivement rattachée. C'est une des ailes du musée maritime. Vous êtes vraiment sur le quai. Hein. Vous ne pouvez pas faire plus sur le quai de Trieste, qui est un endroit d'ailleurs plutôt agréable. Hein. C'est coloré. C'est la partie du quai qui n'est pas la partie industrielle. C'est plutôt la partie plaisance. Il y a des... Très près de l'hôtel, du coup. Vous êtes tout à côté de l'hôtel, ouais. Voilà, vous allez rentrer dans... Ce sera classique, hein, vous allez encore une fois consulter les ouvrages, me faire des jets de bibliothèque, mais la première chose que vous remarquez quand vous rentrez dans les grandes salles de lecture, vous apercevez, il y a toute une série de lecteurs, mais il y en a un qui ressort un petit peu. Le silence règne, évidemment, hein, les bibliothèques, et vous voyez un homme qui est assis devant un livre qui a été étendu. Et il a quelque chose qui vous frappe. Est-ce que vous voulez regarder d'un peu plus près Oui, surtout pas. Moi, regardez Vigilance Barbos, oui. Il a les bras croisés sous sa veste et il y a quelque chose d'assez étonnant, ça saute aux yeux. Chaque fois qu'il lit les deux pages qu'il a sous les yeux, du livre ouvert, il attend. Au bout d'un moment, quelqu'un passe et tourne les pages pour lui. Il relit ces deux pages. C'est comme si ses bras marchaient plus, quoi. Et il attend à nouveau. Voilà, c'est en dehors de ça. Est-ce que les gens qui lui tournent les pages ont des gants? Non. Ils tournent les pages de l'ouvrage qu'il a sous les yeux sans prendre de précautions particulières. On sent que c'est à leur manière de se comporter, on sent que c'est un visiteur, un habitué. Il est handicapé, visiblement, ou... En tout cas, vous ne le voyez pas bouger les bras, oui. Bah, écoute, essaie d'aller lui serrer la main, tu verras ce qui se passe. Quel bras qu'on cherche, rappelez-moi. Madame, on va pas suspecter tous les gens qui sont handicapés de porter un bout de statue. À partir du moment où le MJ parle de lui, si.
L'envie, ça commence comme ça et on dépouille les chamois et on court après des cacas de marmotte. Hein. Et des comme de temps en temps, il y a juste des fausses pistes, vous savez. Certainement. Il a certainement des caméléons sous sa paisible, hein. C'est juste qu'il est assez, voilà, il est assez impressionnant par ce côté. Je lis calmement, j'attends qu'on vienne tourner mes pages et je continue. Les embaumeurs aussi avaient l'air paisibles. Exactement. Bon, oui, d'accord, bah, y a un homme qui. Ok. D'accord. Je n'ai pas du tout aimé cette frise, moi elle m'obsède particulièrement, et c'est Winkelmann, finalement, personnellement, m'intéresse moins immédiatement là. Je sens qu'il y a là-dedans quelque chose qui rejoint mes préoccupations actuelles théologico, mythico, éthico, moralo, sataniste. Qui fait que voilà, je vais trouver un peu les rayons qui peuvent parler d'archéologie qui ont été faites à Tripoli. Ok. Il lisait quoi le monsieur, je te demandais. Il lisait quoi le monsieur? Oui. Oui. Vous ne savez pas. Il faut que tu lui retournes son livre pour voir la couverture. Je suis désolé, mais c'est, voilà. Ah oui, mais ça aurait pu un moment apparaître ou autre, voilà. Bon, maintenant je vais retourner. Non, le livre est ouvert. Que je peux m'approcher par derrière pour essayer de lire par-dessus de mon épaule. On peut demander discrètement à l'un de ceux qui tournent les pages pendant qu'il est un peu loin. Non, mais écoute, elle aura une excuse, elle est anglaise, quoi. Mais c'est vrai. Les gens à qui, si vous demandez sérieusement ça à quelqu'un, ils vont vous regarder avec des yeux tout ronds, vous demandant pour qui vous vous prenez ou vous croyez. Hein. Ah, ok. Non, mais j'ai reparti sur son épaule, ça allait bien se passer. Enfin, oui. Quand tu t'approches de lui, il se recroqueville un peu vers l'avant, comme s'il voulait se protéger. Et, il peut taper, par exemple. Ouais, il a la. Je sais pas si vous avez vu Redman, mais il a un peu cette attitude que peut avoir l'acteur de Redman. Tu vois, c'est un peu. Voilà, comme s'il a des espèces de gestes cadencés, de mouvements du corps, comme s'il voulait pas qu'on le touche, pas qu'on lui parle, pas qu'on l'embête. Est-ce que je peux utiliser mes compétences en premier soin d'infirmière sur le front des Grandes Guerres pour voir si ça m'évoque quelque chose, par exemple le shell shock ou. Laissez le monsieur stimé tranquille. Non, alors d'abord, il est trop âgé pour être un ancien combattant de 14. Et non, ça ressemble pas à ça. Il garde toujours ses bras les uns contre les autres, serrés contre lui. Là, un petit peu comme un moine d'ailleurs, vous savez, quand il glisse les mains dans les. Voilà, il les garde un petit peu comme ça. Vous voyez pas ses mains en fait, elles sont dans ses manches, glissées chacune. Et là, j'en lui donne. Ouais, il y a une bonne soixantaine d'années. Soixantaine, ok. Ouais, donc il est vraiment trop vieux pour avoir combattu en 14. À quel âge est mort Winkelmann? Winkelmann est mort un peu plus jeune que ça, je crois, à 45 ou 50 ans. Ok, bon. C'est jamais, hein. Non, mais bah, ça y est. Il est peut-être bien conservé, c'est ça? Et vous, ça va pas bien, hein. Pendant ce temps, du coup, frère Loupsins, lui, il est déjà parti dans les rayons, c'est ça? Oui. D'accord. Merci avec frère Loupsins, parce que j'aime bien chercher avec lui des trucs et il comprend ce qu'il dit. Pour les autres Oui, bah après tout le monde peut. Pour tout le monde, enfin, vous pouvez tous parcourir la bibliothèque, me tenter des jets pour essayer d'en savoir. Mais moi, c'est pas la frise qui m'intéresse, quoi. C'est les recherches de. Winkelmann et tout ça. Ça m'intéresse plus à Winkelmann qu'à cette fresque. De toute façon, bon bah il y a des sauriens, ils n'ont rien à faire là, fin de l'histoire, quoi. Ok, ben Blanche, tu vas me faire des jets. Bah c'est une bibliothèque en théorie. Mais après non, c'est non pardon. Je vais te faire un jet. Ça sera du jet. Sur quoi je vais te faire. Non, c'est de l'éducation en fait. C'est pas des informations difficiles à trouver, ça, la vie de Winkelmann. Moi, ce que je cherche, c'est ce qui s'est passé les années contemporaines de la. Vous allez arrêter de me faire des majeurs là. La disparition de. Enfin, de... Ah. Tu veux dire avec le doigt dressé et les autres repliés. Quel majeur parlons-en. Déjà, oui. Moi aussi. Ok. On va déjà traiter ce que vient de faire Blanche, qui vient quand même de réussir un joli coup. Vous m'énervez. Est-ce que je fais des réussites extrêmes, moi? Non. Moi, j'ai déjà un perso qui est mort. Ok. Et alors? Ça peut se reproduire, jamais un sort. Je sais, mais...
Bon, Blanche et c'est qui? C'est Fergus hein, qui vient de taper un extrême aussi. Ah, t'es avec moi? Ouais. Moi je fais des recherches sur la période, tu sais, contemporaine de ce qui s'est passé à Venise en fait. Je fais pas exactement des recherches sur la même chose que Blanche. Ok, d'accord, tu m'expliqueras après pourquoi. Déjà Blanche, on va se concentrer sur toi, donc effectivement tu tombes sur un paquet de biographies de Winckelmann qui encore une fois n'est vraiment pas le type le moins connu. Quand on s'intéresse en tout cas à l'archéologie et à l'histoire de l'art, et tu apprends plein de choses sur Winckelmann. À commencer par le fait. Non. À commencer par ce qu'il a fait à Trieste en fait. Quand il est arrivé à Trieste, il travaillait à ce moment-là sur la peinture et la sculpture romaine. Et quand il a voyagé à Trieste, on sait une chose de lui, c'est qu'il avait voyagé avec un autre, avec un camarade, qu'il avait fini par finalement continuer tout seul vers Trieste. Et là, il avait rencontré celui qui est sans doute le principal suspect du meurtre, mais encore une fois, on pas exactement ce qui s'est passé. Un homme qui s'appelait Francesco Arcangeli. Finalement, tu m'as fait une réussite comment? Majeur, je crois. Attends, faut regarder. Okay, d'accord. Et ben finalement, tu vas trouver la solution. Alors que dans la vraie vie actuelle, on ne sait pas ce qu'a tué Winckelmann. Toi, tu tombes sur un bouquin extrêmement documenté, une biographie de Winckelmann qui a l'air d'en savoir plus que les autres. Et c'est Arcangeli qui est soupçonné d'avoir étranglé puis poignardé Winckelmann, apparemment parce qu'il avait tenté de lui voler des médailles que portait Winckelmann, que collectionnait Winckelmann. D'accord. En tout cas, qu'il ait été coupable ou qu'il ait été innocent, Arcangeli en tout cas a été arrêté et tu tombes même sur les pièces qui annoncent qu'il a été exécuté. Il a été même brisé sur une roue, encore une fois, on est en 1768, devant l'hôtel où il a tué. Où il aurait tué en tout cas Winckelmann, qui s'appelle l'hôtel Locanda Grande. D'accord, l'hôtel Locanda Grande. Voilà. Et tout ce que tu apprends aussi, d'après ce biographe mystérieux, enfin pas mystérieux, son nom est sur le bouquin, d'après ce biographe, tu apprends aussi que Winckelmann avait eu le temps de faire un testament ou de laisser des documents, en tout cas avant de mourir. Et il a notamment laissé ces fameux médaillons au Museo d'Historia et d'Arte que vous avez visité, que vous connaissez. Ces médaillons sont restés au musée que vous aviez visité ce matin même, et les papiers, tous ces papiers, y compris voilà, son testament, son journal intime, ont été vendus aux enchères un petit peu après à un historien local qui s'appelle Giovanni Termona, T-E-R-M-O-N-A. Donc dans son journal intime, par exemple, on aurait pu avoir des traces de ce qu'il y avait sur ces recherches, sur cette... parce qu'au final, il l'a jamais terminé sa recherche. Cette fresque, apparemment, dans ce que tu trouves, Winckelmann n'était pas particulièrement venu pour s'intéresser à cette fresque. C'était vraiment ses médaillons, le centre de ses recherches. Ok, c'était vraiment les médaillons en priorité. Ouais, c'était ça. Okay. Bah, les médaillons, on les a pas regardés en détail de toute façon ce matin, donc il faudrait qu'on aille revoir. C'est ça. Et dans tout ce que tu trouves dans ce bouquin, tu apprends donc ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que ce que vous avez vu dans le temple du musée n'est pas une vraie tombe, hein, c'est juste un cénotaphe, il n'est pas en dessous. D'accord. Il repose aujourd'hui, toujours encore une fois dans la vraie vie, il repose dans le cimetière de la cathédrale San Giusto, à la grande cathédrale de Trieste. Et ensuite, le cimetière avait été déplacé et en fait, le jardin lapidaire est créé sur l'ancien emplacement de cette fameuse cathédrale qui a été déplacée dans un autre endroit. Donc, ce que vous avez vu est un cénotaphe. En fait, Winckelmann a été... la tombe de Winckelmann, on ne sait pas vraiment où elle est, en fait, depuis. Oh, voilà. Ok. Tu t'ouvres également sur une photo de Winckelmann. En fait, c'est pas une photo d'ailleurs, c'est la reproduction d'une peinture à l'huile d'un de ses amis. Puisqu'évidemment, il est mort en 1768, bien avant, mais voilà, c'était un garçon qui est mort relativement jeune, hein, effectivement. Même pas, il avait la quarantaine, d'après ce que je lis. D'après ce que tu lis, pardon. Et ce que je lis aussi. Et voilà tout ce que tu peux apprendre sur Winckelmann. Et sur le champ de ses recherches quand il est mort à Trieste. Un peu moins mystérieusement maintenant, en tout cas d'après la thèse de ce biographe. Après, voilà, c'est encore une fois, c'est la première fois que tu lis quelque chose sur l'explication de sa mort. C'est pas du tout une thèse qui est acceptée, dominante, hein, c'est la thèse d'un type qui a écrit un bouquin sur Winckelmann. Écoute, je garde ça de côté et j'en ferai part à mes camarades. Ok. Et
Il y a Fergus qui cherchait du coup des choses sur l'époque... 1797, plus ou moins 5 ans en avant en arrière, pour savoir s'il y avait des choses qui s'étaient passées à Trieste. Oui, il y a des choses qui se sont passées à Trieste. En lien avec Winkelmann, par exemple. Alors, je sais pas s'il y a la date de reconstruction du cénotaphe, ce genre de choses, peut-être. Non, tu cherches quoi exactement? Bah, je chercherais un événement qui serait lié à Winkelmann dans ces eaux-là, en fait. Non, tu vas rien trouver de particulier à part, enfin, tu vas croiser d'autres infos que celles que je viens d'expliquer à Blanche, à savoir qu'effectivement, Winkelmann, quand il a débarqué à Trieste, était passionné par une histoire de collection de médaillons. Il en avait récupéré plusieurs et il se constituait petit à petit, une sorte de, il en avait plusieurs. T'arrives pas vraiment à trouver le chiffre exact, mais c'est ces fameux médaillons qui sont exposés au muséo. Que vous avez visité ce matin, vous n'avez pas prêté attention, mais ils sont là-bas. C'est à peu près tout ce que tu apprends sur Winkelmann. Il n'y a pas de nouveauté particulière par rapport à ce que Blanche vient de découvrir. Et rien sur des histoires de. Enfin, de toute façon, ça va être compliqué. Hein, non, s'il a quelque chose. Histoire de trucs comme ça, quoi. Non, pas particulièrement. Mais encore une fois, hein, il est mort bien avant que les fragments que vous cherchez arrivent à Trieste. Hein. Non, mais c'est pour ça que je me concentre sur les années 1797. Eh bien non, tu ne trouves pas... Ah, alors si tu cherches des choses sur 1797, tu ne cherches pas forcément des choses sur Winkelmann. Non, ouais, c'est... D'accord. Je vais l'exprimer. En fait, ce que je disais, c'est que je cherche à partir des 1797, plus ou moins 5 ans avant-après, avec en priorité s'il y avait des choses qui ressortaient sur Winkelmann, par exemple, cette année, je sais pas, la mairie de la ville a décidé d'honorer le grand Winkelmann en procédant à la reconstruction de tel truc. C'est le cas, bon, bah forcément, ça attire mon attention. Mais s'il y a d'autres événements liés à la statue, je prends aussi. Enfin, la statue. Ok. C'est ce que je veux dire. Ouais, d'accord. C'est vaste, mais bon, on n'a pas trop le choix. D'accord. Non, tout ce que tu apprends en te renseignant, c'est que l'hôtel, le fameux hôtel Locanda Grande, où il a été tué, Winkelmann, en 1768, il a été démoli à la fin du 18e siècle. Et aujourd'hui, il a été remplacé par un autre hôtel qui a à son tour été démoli. Et aujourd'hui encore, il y a à nouveau un hôtel qui s'appelle l'hôtel Vanoli, qui est sur la Piazza Unità d'Italia. La place de l'unité italienne. Donc l'hôtel où il est mort n'existe plus, mais il existe bizarrement. Ça a été remplacé par un autre hôtel aujourd'hui qui s'élève exactement à l'endroit où il est mort, mais dans un bâtiment qui lui a disparu. Voilà ce que tu peux apprendre sur Winkelmann, les lieux auxquels il est associé à Trieste, c'est ce que tu peux apprendre. L'hôtel où il est mort a été démoli, à la place de l'endroit où il est mort, il y a un autre hôtel aujourd'hui. De mon côté, du coup, j'explore les histoires de frise, moi. Des fouilles de Trieste, du coup, essayer de lire un maximum de... D'accord, ouais, mais tu vas apprendre en fait, tu vas pas apprendre grand chose là-dessus, si ce n'est que finalement personne connaît vraiment la date exacte de ce fronton. Il a été, en fait c'est assez curieux, on voit qu'il est apparu à un moment dans le jardin lapidaire, mais personne n'a l'air de savoir finalement, enfin tu trouves en tout cas pas l'info de savoir quand il a été installé là, par qui, pourquoi. Tout le monde a l'air de considérer qu'elle a toujours fait partie des collections, cette pièce, qu'elle a toujours été dans ce jardin, mais tu ne trouves pas vraiment de moment, de lieu, de compte-rendu. On dit qu'on a inauguré tel truc, on a reconstitué tel truc, et ça tu ne le trouves pas. Alors même que tu trouves toute une série de documents sur le fait que telle statue a été trouvée par machin à tel endroit, des rapports d'archéo, quoi. Même version 18e ou 19e, ça restait assez précis. Eh bien celle-ci, non, voilà, on ne sait pas quand elle est arrivée, cette sculpture. Et de quand date le petit temple ? Le temple date du 19e, en fait, au moment où le musée a été organisé et construit, c'est là qu'on a fait comme souvent... Zéphyr ! Pardon. Non, c'est Zéphyr qui essaye d'assassiner ma plante. Ah oui ! D'accord, il a réussi ? Non, parce que j'ai eu écrit dessus. Échec. Profitant des recherches de frères d'absence, est-ce que je peux, moi du coup, essayer de me renseigner en parlant à des gens, parce que
lire des trucs, c'est compliqué, et je ne parle pas ces langues de sauvage. Essayez de voir un petit peu où en est l'archéologie actuellement à Trieste, et qui pourrait être le descendant spirituel du travail de Winkman. Alors, il n'y a pas vraiment de travaux d'archéologie massifs à Trieste, mais comme il n'y en a pas beaucoup en Europe, encore une fois, on est après la guerre et on n'est pas tout à fait dans le moment où on met beaucoup de fonds sur les recherches archéo. À la limite, on entretient plutôt un patrimoine existant, donc les musées que vous connaissez qui sont bien entretenus, etc. Mais il n'y a pas vraiment de grandes recherches archéologiques. En fait, dans le tourisme autour de Trieste, c'est pas tellement l'archéologie qui est le plus la chose que la ville met en avant. Ce qui est mis en avant autour, c'est plutôt les cavernes de karst. Vous savez, je vous ai dit, hein, on est au bout d'une chaîne de non, on s'appelle la montagne, s'appelle le karst, et c'est aussi une roche. Et c'est des roches où, c'est très réputé, très connu. Les visiteurs viennent à Trieste pour ça, parce qu'il y a plusieurs immenses grottes qu'on peut visiter. Donc le clou du spectacle, c'est plutôt ça, pas l'archéologie. Donc il n'y a pas vraiment de grands travaux d'archéologie. On met plutôt l'accent à Trieste sur deux grottes en particulier, une qui s'appelle la Grotta di Gante, toute proche de Trieste et qui est concernée, ça va intéresser Frère Loupsin, elle est tellement grande, cette grotte, qu'elle peut contenir Saint-Pierre de Rome à l'intérieur, donc ça vous donne une idée des dimensions. Et puis il y a une autre grotte qui est cette fois nettement plus loin, à 80 km de Trieste, vers Postumia, qui est une ville frontalière, et avec la Lituanie, et qui est une grotte qui est ouverte aux touristes, mais alors ceux qui ont un peu plus de temps devant eux, la grotte du Gante, on peut la faire quand on vient visiter Trieste, l'autre il faut vraiment y aller, quoi. Donc c'est ça les grands trucs touristiques de Trieste. Il y a pas vraiment de recherche archéo autour de, on entretient le patrimoine, mais c'est tout. Pourquoi j'ai l'impression que tu nous tends une perche de la taille d'une cathédrale? Ah non, moi je dis juste pas de grottes pas très loin. Et non, ce que vous avez appris là, c'est vraiment cette histoire de collection. Enfin, vous avez quand même une thèse sur la mort de Winkelmann. Et si, oui, qui est-ce qui m'a demandé s'il y avait des restes, des trucs sur ce qu'étaient devenus les pièces de Winkelmann? Quelqu'un m'a demandé, non? Les médailles. Ouais, les médailles, on sait qu'elles sont au musée. Ouais, on sait qu'elles sont au musée. Et vous m'avez demandé des choses sur ses notes ou je sais plus quoi, sur son testament. Oui, c'est ce que tu disais, que été vendu aux enchères. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les médaillons ont été légués au musée par Winkelmann. Et voilà. Le testament et le journal ont été vendus aux enchères à Giovanni Termona. Exactement. Qui est toute une famille, hein, les Termona. Ça, vous le découvrez aussi assez facilement à la bibliothèque. Il y a c'est une longue famille d'érudits, de chercheurs qui remontent à longtemps, les Termona. Dont le plus illustre vivant actuellement n'est autre que celui que nous avons croisé en entrant. Non. Non. Non, 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 pas du tout. Ça aurait pu. Le Termona actuel s'appelle Antonio Termona. Alors que le monsieur qui est en train de lire, s'appelle... Je ne connaissais pas le nom. Mais c'est bien tenté. En fait, la famille Termona, qui avait récupéré le journal et les papiers de Winkelmann à sa mort, les a toujours aujourd'hui. Et dans la longue descendance, c'est un certain Antonio Termona qui est vraiment le dernier descendant vivant aujourd'hui. Et ces gens-là, c'est quoi? C'est des collections privées qu'ils ont là? Oui, c'est ça. C'est typiquement ces bourgeois aisés qui avaient commencé par des cabinets de curiosité, qui avaient fait partie des premiers à s'intéresser aux antiquités au sens très large. Donc ça, on collectionnait des momies égyptiennes et puis on collectionnait tout ce qui leur passait par là sous les yeux, en fait. On est passé de gens de collectionneurs qui cherchaient des pièces de prestige à des gens qui sont vraiment authentiquement intéressés à ce qu'ils avaient sous les yeux, qui ont essayé. Voilà, et c'est les premiers. Voilà, cette classe de gens, de bourgeois érudits, quoi, qui petit à petit sont devenus les premiers archéologues amateurs avec le temps. Des gentlemen archéologues. Ouais, c'est ça. Et ensuite, ils bouffaient les momies. Et c'est exactement ça, ouais.
C'est exactement ça. Mais voilà, c'est des gens qui ont commencé par la collection, qui cherchaient un patrimoine, et puis qui petit à petit sont devenus à la fois des collectionneurs, hein, c'est le... et puis bah, des vrais spécialistes, de, en tout cas d'amateurs, mais d'une discipline qui était en train de naître. C'est beau. Et oui. C'est grâce à eux que les musées peuvent se caver aujourd'hui. Parce qu'ils ont tous, au fur et à mesure que les lignées s'éteignaient et qu'ils n'avaient pas d'héritier, ils ont fait, voilà, les collections privées que les musées ont récupérées, ce sont vraiment celles-ci, en fait. Et c'est l'enfer pour les conservateurs, évidemment, pour retrouver l'origine de chaque pièce. Mais parce que ça s'achetait littéralement au cul du camion ou sur les ports, quoi. Insérer un thread Twitter de Clément Saviani sur les détectoristes des pièces. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Alors, ouais. Alors des charges, ils défonçaient aucune loi, hein. Mais oui, à l'époque. C'est ça. Bon, on a plus grand chose à faire dans cette bibliothèque. Je vais pas vous répondre directement. Attends, je vais changer de bibliothèque comme ça. Tu me dis si on a vidé la bibliothèque. Non, vous avez... Non, je crois qu'on a fini. Moi, du coup, je voulais essayer quand même... Parce que ma curiosité sur ces grottes a été piquée par toutes ces informations. Et pendant que mes amis font des recherches érudites, je serais bien allée voir s'il y a des... Comment dire, des phénomènes inexpliqués concernant ces grottes. Par exemple, dans des livres de légendes locales ou... Oui, t'as toute une série, effectivement, de... Est-ce qu'il y a des caméléons de... Je vais interdire le mot caméléon. En cherchant des trucs sur la frise, je suis pas tombé sur des choses qui parlaient de son sujet. Non. Ce que vous... Alors, qu'est-ce que t'entends par son sujet? Eh ben, le qui est représenté dessus est quand même relativement curieux, ça aurait pu intriguer... Ouais. Des érudits, des collectionneurs, des archéologues. Des espèces d'offrandes. Et à des hommes serpents, oui. Tu as effectivement toute une série de légendes qui traînent dans le folklore, encore une fois. On est à la frontière des mondes romans et slaves. Hein. C'est un lieu assez étonnant, Trieste. C'est toute une série de traditions. Donc, oui, il y a des contes et des légendes qui tournent autour des grottes. Il y a des contes et des légendes qui tournent autour du vent. Il y a des contes et des légendes qui tournent autour d'anciennes créatures, de magie, etc. Mais. Bon, voilà, c'est comme il y a rien de particulier, si ce n'est qu'effectivement il y a toute une série de légendes qui tournent autour de la présence de créatures qui tiennent plus des hommes sauriens, des hommes lézards. Voilà, oui, c'est dans l'air, mais tu trouves rien de précis, toi non plus, Lady Prudence. Il y a pas vraiment de, c'est pas une mythologie construite où en gros vous avez pas une odyssée qui vous raconte ce qui s'est passé là, quoi. C'est toute une série de rumeurs, de vieilles traces. Quoi. Mais voilà, personne n'a étudié ce fronton. Pas en tout cas que tu ne trouves, non. D'accord. Peut-être que le cerveau leur a coulé par les oreilles, si à ceux qui... Encore une fois, apparemment, personne n'arrive même à donner... Ce fronton, il est là, mais personne ne sait vraiment quand il a été installé, par qui et pourquoi. Ça fait partie de ces... Mais c'est ça, encore une fois, on trouve ça dans tous les musées du monde. Hein. Mais voilà, c'est... il est là, voilà, mais personne ne sait vraiment qui l'a amené, quand, pourquoi. Mais bon, on l'entretient, mais c'est déjà... Bon. On va voilà ce que vous pouvez apprendre, et qui est déjà pas mal. Ouais, c'est... Bah, si on veut en apprendre plus, il va nous falloir trouver le journal de Winkelmann. Vous avez quand même plusieurs pistes. Vous avez la piste des médaillons, voilà, qui manifestement passionnait Winkelmann au moment où il est mort, qui lui a manifestement coûté la vie, d'après la biographie qu'a trouvée Blanche, si je ne me gourre pas, puisque son assassin là, aurait voulu récupérer ses médaillons en le tuant. Et vous avez qu'est-ce que je vous ai dit d'autre, qu'est-ce que vous avez appris d'autre, vous avez appris donc que les Termona ont récupéré l'ensemble des papiers de Winkelmann à sa mort, en gros. Après, on aura plus facile à aller trouver les médailles pour le moment. Juste au musée, en fait. Oui, vous avez même le temps d'y retourner aujourd'hui, là, hein. C'est pas très loin.
Ah oui, bah on peut aller regarder les médailles de plus près. Le musée ferme à 18h, ça va être juste, mais ouais, si vous prenez des taxis, vous pouvez y aller encore. Encore une fois, cette fois, vous savez ce que vous cherchez. Je l'ai sous vitrine, c'est ça ? Bon, je vous la fais courte, hein. Oui, vous arrivez au musée, comme vous savez ce que vous cherchez. On vous refait payer l'entrée quand même, parce qu'il n'y a pas de raison, on n'a pas de crédit. Non, mais on est collé. Sur le poignet, là. Sur le poignet, j'ai le temps. Et les guides du musée vous. Pardon. Excusez-moi, vous orientent sans problème vers une vitrine verrouillée. Une de ces vieilles vitrines, vous savez, des musées un peu dans leur jus, là, en bois verni, avec des grandes vitres, c'est incliné pour qu'on voit mieux. Et il y a une grande boîte plate en marqueterie à l'intérieur qui est doublée de velours, qui fait une sorte de valise qu'on aurait ouverte pour présenter son intérieur. Et dedans, vous avez 4 médaillons d'un côté et 3 de l'autre. Une rangée de 4, une rangée de 3. Et donc évidemment, par définition, vous ne voyez qu'un des côtés de chaque médaillon. Et c'est des scènes qui vous sont familières, en tout cas pour les plus éduqués d'entre vous et même pour les autres. Hein. On voit le siège de 3, on voit Paris en train de se prendre sa flèche. Enfin, c'est toute une variété de scènes mythologiques, de personnalités historiques, de l'Antiquité. Je ne vais pas vous faire jeter un dé pour ça. La rangée de 4 d'un côté et la rangée de 3 est un indice suffisant. Il y a un emplacement. Il en manque une, exactement. Vous voyez encore l'usure du velours là qui montre qu'il y avait eu, il y a eu un moment un 8e médaillon dans cette boîte. Il y a un petit cartel en bas du coffret qui vous informe que les médaillons ont appartenu à Winckelmann, que le musée les a achetés un petit peu plus tôt, en 1910, 13 ans avant aujourd'hui, et que celui qui les a vendus, c'est Marcus Termona, le père de Antonio Termona, dont vous avez entendu le nom tout à l'heure. Il a vendu les 8 en 1910. Vendu les médaillons. Ouais, les médaillons ont été acquis, enfin légués au musée, plus exactement d'ailleurs, pas vendus, pardon. Ont été légués par Marcus Termona, un des nombreux érudits de cette famille Termona, dont on vous rebat les oreilles depuis votre visite à la bibliothèque, qui était le père donc de l'héritier actuel des Termona, celui qui est aujourd'hui vivant et qui s'appelle Antonio. Vers lui. J'ai pas entendu, pardon. Tu m'avais dit, j'avais vu le nom Termona quand j'ai cherché la biographie de. Ouais. Et je l'avais vu pourquoi. Je suis désolé, je suis un peu séché là. Je l'avais vu pourquoi son nom à Termona déjà. C'est le nom que tu vois partout aujourd'hui quand tu parles d'archéologie ou de collection ou d'antiquité. Oui, c'est lui qui a racheté. Il était intéressé par les médaillons. Ouais. Et c'est lui qui a racheté le. Non, c'est le mec qui l'a tué pour les médaillons. Et c'est lui qui a racheté son journal intime et tout. Non, ça. Non. Celui qui a tué Winckelmann 2 siècles plus tôt, c'est pas un Termona. Hein. Oui, mais lui aussi il était intéressé par les médaillons. Ouais, c'est ça. Il a été, d'après ce que tu as lu, effectivement, oui. Winckelmann a été tué pour ses fameux médaillons. Et Termona, et... c'est celui qui avait acheté sa... ses affaires, ouais, c'est son testament et ses trucs. Ouais, voilà, ok. Ça. Il en aurait gardé, hein, donc, du coup. Bah. En tout cas, il y a eu 8 médaillons à un moment, manifestement, vu l'usure de la boîte. On voit vraiment la silhouette de la 8e médaille. Winckelmann, à un moment, avait bien 8 médaillons. Est-ce qu'on peut deviner ce qu'il y a dans le creux ? Est-ce que c'est une scène Ah bah non. C'est simplement l'usure du disque. C'est un disque qui est sculpté que d'un côté. Hein. D'accord, que d'un côté. Et en gros, tu vois la forme de. Enfin, ça a usé le plat. Et je pense que c'est sculpté des deux côtés. C'est pour ça Non. Il y a un sens, une logique, une évolution dans les médaillons Particulièrement, non. C'est des scènes de l'Antiquité, c'est des très beaux ouvrages d'ailleurs. C'est des médaillons plutôt grands. Vous voyez, c'est des disques qui font quand même une bonne 12-15 cm chacun de diamètre. Mm-hmm. C'est plutôt grand. C'est du beau travail de gravure. Hein. Mais voilà, c'est des grandes scènes mythologiques. La fondation de Rome. Enfin voilà, c'est ceux que vous arrivez à reconnaître, voilà, c'est des grands épisodes que n'importe quel gamin qui se tape des cours de latin à l'époque connaît, quoi. On peut demander à un des gardiens si quand le musée a acquis
l'ensemble, il y en avait 7 ou 8 en fait. C'est super important. Il y en a toujours eu 7, ça on te le dit, il y en a toujours eu 7. D'accord. Donc, c'est rien n'a été volé au musée, hein. Ils savent très bien qu'il y en avait un 8ème. Ouais. Mais ce médaillon manquant, personne ne sait où il est. D'accord, c'est les Thermodas qui l'ont gardé tout simplement. Oui, ils ont lancé des 7 a priori. C'est ça, ou pas, ils savent pas. C'est peut-être qu'il a été perdu par Winkelmann, peut-être, voilà, ça personne ne peut vous le dire. Est-ce que, ouais, alors on est d'accord que les Thermodas ayant un peu la somme des travaux, enfin, donc une partie des travaux de Winkelmann, on peut supposer qu'ils aient une partie des relations dans lesquelles il explique quelles sont ses recherches, ces fameux 8 médaillons. On pourrait avoir une description. On peut supposer qu'il existe quelque part une description à la fois de chaque médaillon et de ce que ça représentait. On peut peut-être aller chercher les archives de Thermona, Giovanni. Ouais. Ouais, bah, je pense qu'il va falloir aller chercher ça, oui. C'est là qu'on va voir. Le... C'est un antiquaire, donc c'est Alexei qui est. Plutôt un érudit qu'un antiquaire. Après, Alexei peut avoir envie aussi de tabasser des érudits. Hein. C'est, quand on commence avec des antiquaires, j'imagine qu'on prend vite goût à tabasser un peu tout ce qui bouge. Mais c'est pas un vendeur, hein. C'est pas un commerçant d'antiquités, Thermona. C'est vraiment l'érudit local qui a suffisamment de fric pour s'offrir des belles pièces et puis qui aime bien, voilà, de temps en temps faire des dons parce que bah, ça se pose comme mécène, voilà, c'est ce type de personnalité, la famille Thermona. Okay. Moi je peux lui parler sobrement. Trouver les Thermona serait très facile, hein. C'est une famille connue, qui a pignon sur rue. Vous êtes au musée, n'importe lequel des guides peut vous indiquer où on peut entrer en contact avec les Thermona. Puis c'est tout à fait l'heure, là, en plus. Là, on va arriver en fin de journée, ouais. Ça va être un peu tard pour aller déranger les gens à leur travail ou chez eux, quand même. Il y a une vie nocturne à Trieste, des spectacles, des mondains, du... Oui, hein, encore une fois, maintenant, voilà, on n'est pas en plein cœur de la saison, il fait froid, c'est pas forcément... on n'est pas à Milan, hein, c'est quand même pas la ville où... Mais oui, il y a tout ce qu'il faut, oui, vous allez trouver toute une série de bars, de cafés-concerts, de choses comme ça. Mais il n'y a pas une vie culturelle, j'allais dire, de associée au loisir de l'élite. On n'est pas... C'est encore une fois, c'est un port, hein, à Trieste. On est vraiment sur... c'est une ville très populaire pour une bonne partie de ses habitants. C'est une ville qui a quand même été bouleversée, qui a été austro-hongroise, qui est italienne depuis pas longtemps. Il n'y a pas une scène qui s'est installée depuis des décennies. Tu vois, il n'y a pas la charge culturelle d'une ville stable, quoi. Donc tu vas plutôt avoir toute une série de lieux qui relèvent de la culture plus populaire que j'allais dire d'élite, en tout cas que voilà que notre culture, pardon, que la vôtre, exactement. On n'est pas sur la culture de la haute société, sur ce que la voilà. Vous n'avez pas d'opéra, encore une fois, il n'y a pas d'université à Trieste. C'est une grande ville, mais c'est une ville de c'est une ville de gueux, quoi. De gueux, et puis c'est pas non plus complètement un hasard si les fascistes envoient beaucoup de petits groupes de chemises noires. C'est comme tous les ports, c'est une ville qui a ses bas-fonds, c'est une ville agitée, comme Marseille peut l'être, c'est-à-dire qu'avec le port va tout un lot de trafic, hein, en tout genre, voilà, on est sur une ville, oui, c'est une ville très populaire, Trieste, ça ressemble un peu à Marseille, hein, dans le type de population, de mouvement, de perpétuel, de côté interlope, voilà, il y a 30 générations qui se baladent sur les quais, quoi, entre les portefeuilles, les dockers, les marins, c'est une ville très mélangée, et tu vas avoir ce que tu as dans... Si tu veux t'en canailler, t'es au bon endroit. Faut aller guincher sur les quais. Ah oh bah oui, c'est exactement ce que je pensais faire de ma soirée. Oui, ça m'étonne pas. Tu pourrais aller sauver des âmes sur les quais, sinon. Oh oui. Je pense que c'est une grande idée. Oh, mais tu vas aller sauver des âmes au Macumba ? J'ai pas le temps, je vais sauver la ville. Voyons. Voyons.
vous sauvez la ville que vous avez sauvée les dernières. Je crois qu'on est très efficace jusque là. C'est ce que je voulais voir juste après, c'est si le sauvetage Hiroshima, tu sais. Des journaux locaux qui pourraient peut-être parler d'un accident. Vous êtes un peu tôt encore, mais ça va plutôt être dans les journaux du lendemain. Dans ceux du jour, vous allez par contre trouver beaucoup de trucs sur le fait qu'on est en train d'essayer de dégager la Scala à Milan, parce que des couilles on fait cramer, mais c'est à peu près tout. C'est un détail de l'histoire. Mais dans les journaux du lendemain, oui, vous tomberez sûrement des infos de Venise, et... mais là c'est encore un peu jeune. Est-ce qu'on rentre à l'hôtel et... Alors, juste un détail, il est 22h40 à peu près, on s'était dit qu'on allait jusqu'à 23h parce que je crois qu'il y en a qui travaillent tôt demain. Et du coup, dans un cas, vous êtes un petit peu un carrefour entre... parce que vous allez, j'imagine, vouloir rencontrer Termona. Je vais tout de suite dire que je vais vouloir arrêter parce que j'arrive plus à porter mon casque tellement j'ai mal aux esgourdes. D'accord, ok. C'est une raison de vouloir arrêter. C'est même une excellente raison et c'est quand même super chouette que t'aies pu jouer, mais évidemment... Mais là, je commence à plus du tout supporter de vous... ici donc mais... non, d'avoir le casque en fait voilà même des gens plutôt désagréables non le oui voilà ouais, je peux pas vous blairer en fait c'est ça non mais à ce moment là ce que je vous propose c'est une séance un peu courte mais d'introduction à Trieste en plus vous avez quand même été plutôt efficace je pense que vous allez aller passer la soirée alors frère Lopsins va sans doute encore vouloir aller s'abîmer le front sur le sol d'une église, mais... je fais la cathédrale, même. La cathédrale, d'accord. Mais vous allez rentrer doucement à votre hôtel, et je vais quand même vous faire passer par... vous passer devant l'ancien... vous savez, l'hôtel Locanda Grande, celui où est mort Wilman. L'hôtel n'existe plus. Par contre, il est à côté du vôtre. L'hôtel qu'il a remplacé depuis... qui s'appelle l'hôtel Vanoli, et en passant devant l'hôtel Vanoli pour rejoindre l'Excelsior, le vôtre, c'est un bâtiment qui fait 4 ou 5 étages, 5-6 étages. Derrière une des fenêtres, une des chambres, vous voyez quelqu'un qui vous observe, un visage extrêmement pâle, littéralement livide. À partir du moment où ce visage voit que vous l'avez repéré, vous le repérez tous, parce que à partir du moment où quelqu'un d'entre vous a levé les yeux et a croisé son truc, comme par réflexe, tout le monde regarde dans sa direction, ce visage disparaît aussitôt. Il n'y a aucune menace particulière, hein, simplement voilà, ce visage était blafard comme peut l'être un je sais pas moi, une statue ou un cadavre. Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai perdu mon dernier tympan? Qui s'est greffé une tête de statue? Non mais par contre, j'avais une question, Padré, on est d'accord qu'en termes de jeu, la chère personne de confiance de Magdalena, je l'avais récupérée par la suite du voyage? Oui. Peut-être que cette personne de confiance, je l'enverrai faire une petite enquête. D'accord, très bien. Ok, bah tu me diras ça hors jeu à ce moment-là, tu me demanderas ce que tu me demanderas ce que tu veux qu'elle fasse. Voilà, mais après, voilà, c'est pas la première fois que vous êtes confronté au fait qu'on vous surveille, mais voilà, vous avez eu juste ce visage très pâle, très blanc, depuis une fenêtre à l'étage de l'hôtel Vanoli, et c'est tout. Vous rentrez à l'Excelsior, demain est un autre jour, et demain vous aurez l'occasion, donc, sans doute, d'aller creuser les pistes que vous avez commencé à dégager du côté des Termona. Creuser, oui, c'est le cas de le dire. C'est vrai. Voilà, et je vous propose de nous arrêter là pour que Dino puisse se reposer, la pauvre. Bonne nuit, le caf. Et puis guérir, on vous dit bonne nuit à tous. Oui, merci à tous. Ça. Et puis, comme on se remet les joueurs, vraiment 2 minutes, et on vous donne très vite la prochaine date. Oui. À bientôt à tous. À bientôt. Bonne soirée, tout le monde.